Salut les gones, salut les fenotes. Match nul face à un concurrent direct pour le maintien. C'est pas un bon point de prix parce que du coup tu prends pas de points face à un concurrent, donc c'est pas un bon match. Au moins on n'a pas perdu. Merci Lopez d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre les pouces. Bon, faut que je garde mon calme, hein, comme d'habitude. Faut que je garde mon calme. Pour m'accompagner aujourd'hui, pour ce débrief, Maxou ? Ouais, on m'entend bien, Julien ? On t'entend bien, on t'entend bien. T'es dans une église, mais bon, on n'a plus que ça à faire, allez, prier. Je crois que... Non, mais ouais. En plus, au match nul, on perd pas, mais c'est presque pire au vu du scénario, en fait. Donc, je trouve qu'elle est vraiment à consonance très négative, alors qu'on pourrait même capitaliser sur le fait qu'on prend un point. On n'en a que deux, donc c'est pas si mal de prendre un point. Mais en réalité, c'est consonance très négative du fait que tu es à 3-1, tu dois gagner tranquillement, quoi. Donc, c'est très décevant. Ok, Lucas. Je vais rester, moi, sur très, très, très déçu par les changements de Grosso. Pour le coup, ce match, je le mets pour sa gueule. Totalement, parce que ces changements ont été très mauvais. Je suis très énervé par parce que le scénario est encore pire, en fait. Il a raison, Max. Hein. Faire limite qu'on rattrape à 3-3, tu vois. Pour faire 3-1, prendre 3-3, ça rappelle les mauvaises époques. Donc dégoûté au possible. Ok, ouais. Très bien, mon Lucas. Bonjour Thiago, qui a toujours pas vu une victoire sur la chaîne. Non, et pourtant j'ai cru de voir une victoire aujourd'hui, mais. Ça se répète, c'est les mêmes matchs en fait. J'ai l'impression que ce match-là, je l'ai vu 3, 4, 5, 6, 10 fois ce match-là. Ça se répète. Franchement, là, je suis abattu. Je n'ai pas les mots. Est-ce que c'est de la faute de Grosso ? J'en sais rien. Est-ce que le mal est tellement profond que là, sur ce match-là surtout, je ne sais pas trop quoi dire. Donc voilà, un nouveau revers pour la course pour le maintien. Donc, j'ai pas les mots là. On mène 3-1, on est tranquille et puis voilà, on arrive encore à se faire peur. Et... Voilà, ça fait chier. Ça fait vraiment chier, quoi. Catastrophique. Ouais. Bon. On va citer, on va faire rentrer Aurel rapidement dans le chat. J'espère que vous allez bien. Voilà, que tout le monde est là. Bon, c'est la faute d'Intel, c'est la faute de Cacré, c'est la faute de Tolisso, c'est la faute de Grosso, c'est la faute de. On est nul à chier, en fait. Hein. Arrêtez de chercher la faute à Pierre, Paul et Jacques. Hein. Parce qu'il n'y en a pas un qui est bon, hein. Voilà, on va pas se mentir. On va évoquer quand même chaque joueur. Pour ceux qui disent que tu défends machin, tu défends ceci, bon, je vais garder mon calme parce qu'il y en a qui s'amusent à signaler toutes mes vidéos. Donc, je vais pas commencer à vous insulter, vous et vos mères et vos pères, parce que sinon, je vais avoir encore des problèmes. Mais j'en pense pas moins, si vous voyez ce que je veux dire. On pisse un peu dessus, quoi, clairement. Aurel, il monte, il nous donne 3-4 stats. Allez, comment il va, mon Aurel ? Bien écoutez, dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir, peut-être, ou pas. Ça essaye d'aller mieux, mais bon, très difficile la retombée après cette première période. En tout cas, bonsoir à tous. On va commencer avec les statistiques. Nul vous dire, bon ben voilà, que ça a été un match une nouvelle fois assez à deux visages, j'ai envie de dire. Donc on commence avec la possession de balle, 49% de notre côté, 51% côté orienté. Oui, on a été mis en difficulté. 9 tirs de notre côté, 6 côté orienté, 6 tirs cadrés à 5 pour nous en notre faveur. On va rajouter aussi, voilà, de grandes. 3 sauvetages du gardien l'orienté, 2 pour Lopez, une équipe de Lorient qui a réalisé un peu plus de passes que nous, à très peu, hein, à 15 passes près. En revanche, ce qu'il faut retenir, c'est une nouvelle fois les duels remportés. Tous les Lorientais ont remporté beaucoup de duels. C'est Mata. Deux secondes, Morel. Max, il y a un problème de son, il y a un bruit derrière et c'est toi. Ouais, il y a un bruit derrière. Il met un casque, s'il te plaît. Ouais, vas-y, je mets un casque. Connais le avec un casque. Je coupe en attendant. Merci. Ouais, donc on va parler des touches de balle aussi, puisque Clinton Mata est le joueur, le Lyonnais qui a touché le plus de ballons, 91, ce qui est énorme, hein, il a été très bon. Ensuite, derrière, voilà, Lovren, Cacré, O'Brien, Tagliafico, en rappelant que Anthony Lopez a touché plus de ballons, par exemple, que Nuama, Alvero, Jeffinho. Donc, c'est assez,
C'est assez inquiétant, encore une fois. Il y a d'autres stats aussi. Maxence Cacré, donc, qui a raté 29% de ses passes face à Lorient. Donc, c'est son plus gros pourcentage de passes ratées depuis avril dernier. C'était face à Strasbourg. Voilà. Et puis, Maman Baldé a perdu 7 de ses 9 premiers ballons touchés aussi. Entrée catastrophique de la part de Maman Baldé. Très bon premier match aussi de Diawara, à souligner dans l'ensemble pour faire un petit topo si vous souhaitez d'autres stats. Je suis à vous, notamment la stat des dribbles. On a moins dribblé que d'habitude puisque Cherki n'était pas sur le terrain. 13 dribbles, 21 côté l'orienté. Voilà. Donc, non, on a mis 3 buts, ça change. On a mis plus de buts que le début de saison. On a mis 3 buts, ça c'est sûr. Donc dribbler c'est bien, marquer c'est mieux. Exactement. Merci mon Aurel. C'est à vous. Salut les gars, je reviens vers vous. C'est beaucoup mieux. C'est mieux. Les stats, on n'a pas plus tiré que d'habitude. Hein. 9 tirs, 6 cadrés. Bon, c'est juste qu'on a su marquer cette fois-ci. On voit que la casette est importante. On voit que Nuama et Jeffinho, c'est bien. Donc, je vais vous donner mon avis. La première mi-temps était plutôt intéressante. On était décisif, du moins, puisque la casette marque. Nuama, on le sentait en jambes. Jeffinho aussi. Bon, je ne sais pas pourquoi tu vas sortir deux de ces trois joueurs, mais ça, on va en parler de grosso, parce que moi, je n'ai pas de copains. Hein. Moi, je ne suis pas là pour protéger un tel ou un tel. Je ne suis pas là pour crever un joueur aussi, comme certains peuvent le faire croire. Voilà. Mais il est hors de question que je protège, que ce soit un coach, un dirigeant, j'en ai rien à foutre, je ne suis pas payé par Lyon. Donc, grosso changement absolument minable. Quand tu sors tes quasiment deux meilleurs joueurs du terrain et que tu sors Mamadou Diarra et Skilly Alvero alors que Cacré, il n'est pas capable d'aligner deux passes. Donc, tu as sorti Nuama, Jeffinho, qui étaient quasiment tes meilleurs joueurs, offensivement du moins, qui étaient même tes meilleurs quasiment avec O'Brien et Mata. Et tu me mets Tolisso, Le Pennant, et tu me sors Alvero et Diawara. Et tu me laisses Cacré qui n'arrive même pas à faire la moitié de ses passes. C'est une honte. Voilà. Dans les changements, c'est zéro. Et si on prend deux buts, il ne faut pas s'étonner. Hein. Voilà. Parce que bon, il fait une erreur, Baldé, mais c'est anecdotique. Hein, parce que le premier but, c'est Lovren. Hein, le deuxième, Lovren. Alors Lovren, il est cramé. Il n'a pas joué depuis 3 mois et demi. Tu le laisses titulaire, indiscutable. Qu'est-ce qu'il a, Caleta-Car? Il a la chiasse ou quoi? Oh! Il le sent pas. Sans déconner. Il le sent même pas. Oh merde, à un moment donné, bien sûr. C'est même dans l'attitude, c'était un peu. Non, mais terrible, c'est sans déconner. Mais mes Mata au centre qui est très bon et mes Koumbendi à droite fait quelque chose. Mais arrête, Lovren, il est cramé, quoi. Là, c'est zéro. C'est zéro de la part de notre ami Grosso. Zéro. Alors, vous pourrez trouver toutes les excuses en disant un tel, il est pas bon, un tel, il est pas bon. Ouais, parce que Tolisso, c'est vrai qu'il est rentré, tu avais l'impression qu'il avait 80 minutes dans les jambes. Donc, c'est bien ceux qui disent c'est la faute de Tolisso. Mais les changements, c'est qui les a fait? Ils sont lamentables, les changements. Ouais. Lamentables. On peut parler aussi de Cacré qui a été à chier pendant 80 minutes au moins. Il a été un semblant de pas trop mauvais sur 5 ou 10 minutes en deuxième mi-temps. Il est là tout le match. C'est quoi ça? Change-le, putain. Merde. Tu changes Alvero et Diawara, tu laisses Cacré. Mais Cacré aujourd'hui. Il a perdu 24 ballons. Merde. Sur 68. On est sur un ballon sur deux. Vous vous trouvez ça normal, vous? Vous avez un milieu qui perd un ballon sur deux. C'est une honte pour le football. Et je vous parlerai pas de ses duels, il les perd tous, le mec. Tu souffles dessus, il se retrouve en Bretagne tellement il est nul. Moi, à un moment donné, il y a les joueurs. Ouais, c'est vrai, il y a des joueurs, ils sont nuls. Ah bah oui, il y a des joueurs, ils sont nuls. Oui, mais il y a aussi le coaching aujourd'hui. Je m'en bats les couilles qui s'appelle Grosso et qui ne font rien dire. Aujourd'hui, il a fait des changements de merde. On prend deux buts parce qu'il fait de la daube. C'est tout. Alors, je ne vais pas commencer à faire comme certains, à dire « Oui, il faut dehors, Grosso. » Non, j'en suis pas là encore. Mais honnêtement, aujourd'hui, c'est catastrophique dans ces changements. Voilà, changer tes meilleurs joueurs et faire rentrer des tocards. Les entrants, c'est zéro aussi. Hein. Les entrants, c'est zéro, mais donnez tout ce que vous avez dans l'équipe. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, tu ne peux pas t'appuyer sur tes remplaçants. Alors, moi, je veux bien qu'on parle des changements de Grosso. J'entends, je ne dis pas que vous avez tort, je suis même plutôt de votre avis. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui à Lyon, tes entrants ne t'apportent rien. Donc, en soi, le mec, il est bloqué. Parce que si tu laisses des mecs
tout le match, bah, tu vas les cramer et les mecs sur le banc n'auront pas la confiance. Et le problème, il est là, c'est que tes mecs sur le banc ne t'apportent rien. Moi, quand je vois l'entrée de Lepenant et Tolisso, j'ai envie de me tirer une balle. J'ai envie de me tirer une balle. Mais vraiment, ouais, mais moi, tu Baldé, dis ça. Pareil. Non, mais moi, c'est bien que tu dis ça, Thiago. C'est très bien. C'est très bien. Mais moi, ce n'est pas le problème que les entrants n'apportent rien. Le problème, c'est que tu sors tes meilleurs joueurs sur le terrain pour faire rentrer les mecs. Ouais, parce que Katia, tu veux. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien qu'on dise Tolisso, il est mauvais. Aujourd'hui, Tolisso, les stats, hein, il gagne 3 duels sur 4. Bon, je vous Il est nul. Non, mais il est lent. Il est lent. Non, mais il est pas bon. Il est lent. Il n'y a pas de problème. Je sais le dire. Hein, je ne suis pas con. Mais enfin, bon, il y en a un, il gagne 0 duel. Il perd 24 ballons. C'est lui qu'il fallait changer. Non, parce que si tu prends un mauvais comme Tolisso, qui est mauvais, que tu le remplaces par un autre mauvais, bah, au pire, tu as 2 mauvais. Quoi. Voilà, mais tu n'as pas perdu. Mais quand tu remplaces Diawara et Altero en mettant un mauvais, c'est que tu as remplacé un mec correct par un mauvais. Voilà, c'est ça le problème. Tu me changes des types qui n'étaient pas trop mauvais pour faire rentrer des mauvais. Le souci, c'est que, alors, ok, d'accord, il fait sortir effectivement Altero et Diawara qui ont fait plutôt un bon match. Il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, Grosso, il a un message. Et c'est pour ça que moi, je ne descends pas pour l'instant du train Grosso. C'est que tu sens qu'il veut concerner tout le monde. Et moi, c'est quoi là? C'est coaché un peu à la Conceição, là, ces mecs qui veulent concerner tout un groupe, esprit fédérateur, esprit guerrier. On va à la guerre ensemble, les 22, pas que 12 joueurs, mais les 22. Et bien là, tu te rends compte que les mecs qui fait rentrer, et ben ils te coûtent des buts. Baldé te coûte un but, Tolisso, je ne vais pas dire qu'il coûte un but, mais dans le jeu, il ne t'apporte rien. Le Penant, c'est perte de balle sur perte de balle. Alors après, on va nous dire, oui, mais Thiago, le terrain n'aide pas. Alors oui, le terrain n'aide pas, mais il est pour les deux équipes. Voilà. Mais bon, le problème, il est qu'aujourd'hui à Lyon, tu peux faire confiance à personne. Voilà. Attends. Bon, je vais voir les autres, mais perte de balles de Le Pen, j'ai pas vu une perte de balles. Non, il y a eu des pertes de balles à plusieurs reprises ici. Lui qui a perdu des ballons, c'est Tolisso. Pour ceux qui disent, je protège Tolisso dans le chat, ou vous êtes sourds, ou vous êtes des sombres connards. Voilà. J'ai jamais protégé Tolisso. Il a fait une mauvaise entrée. Donc arrêtez d'inventer des choses et de l'ouvrir. Arrêtez. Arrêtez de mentir. J'ai jamais dit que Tolisso avait fait un bon match. Arrêtez. Arrêtez de raconter de la flûte et du pipeau. Et pour ceux qui disent je pète un câble, ouais, parce que tu viens de perdre 3 points face à un concurrent direct pour le maintien. J'ai le droit de péter un câble. Arrêtez de s'inventer des choses que j'ai pas dit. Thiago, je peux te rejoindre sur le fait qu'il veuille conserver son groupe de 22 joueurs. C'est une chose. Mais ça fait quand même deux matchs. Tu vois que Baldé, il est complètement à chier. Il conserve aucun ballon. Tu vois que Tolisso, il est combattu. Et il sort joueur à la 55e, tu as encore du temps en vérité. Tu sais pas s'ils sont encore à court physiquement ou pas, mais c'est une catastrophe de faire entrer des joueurs comme ça. Ils ont rien fait et moi ça m'a dégoûté quand j'ai vu ça. Très sincèrement, je le savais qu'on allait se faire remonter 3-3 quand j'ai vu cette rentrée là. C'était une catastrophe. Il faut le voir avant. C'est pour moi, ce match nul, il est pour sa gueule entièrement. Et moi je le dirai jusqu'à la fin du débrief. C'est pour ça que moi j'irai pas jusque là quand même. Au bout d'un moment, je pense que des mecs comme Lovren, alors ok, il était à court peut-être, mais si tu es à court, tu ne demandes pas, voilà, tu demandes pas à jouer. Moi, j'aime bien. Sauf qu'il ne faut pas réduire l'importance de ce but-là, parce que c'est ce but-là qui nous met dedans, d'accord. Et on le prend anodinement, il vient de nulle part, il ne se passe rien, d'un coup, on prend un but de merde. Et à partir de là, tu commences à stresser et tu fais du Lyon. Et tout le stade le sent et ça monte et tu vois que tout le monde n'est pas bien. Mais ça, tu vois, c'est des... Ouais, c'est des scénarios, ça, Max, qui se sont répétés, mais depuis 4-5 ans. Hein. C'est des trucs que tu vois tout le temps à Lyon. Hein. Des trucs, tu mets 3-0, hop, 4-3, tu vois. C'est des trucs de fou. Et là, c'est encore une fois. Bah, c'est ça, voilà. Il y a un problème mental dans cette équipe. Et quand tu vois que le petit O'Brien, 19 ans, qui parle pas français, qui vient d'un club inconnu, et le mec, il fait un super match. Le mec, il fait un super match. Après, là où on peut mais quand même, c'est qu'à un moment, tes joueurs professionnels, Baldé sur le côté gauche, quand il récupère la balle, à aucun moment il faut la mettre dans l'axe comme ça. À quel moment tu fais ça? À la 80e minute? Mais Baldé, il a fait une erreur. Les gars, il faut quand même se rendre compte du bordel. Hein. T'as pas un joueur qui monte sur le porteur du ballon, c'est Lovren sur le premier but, il monte pas sur le porteur du ballon, il le laisse tirer. T'es mieux, ils vont t'avoir, mais bon. Les deux patates, ils doivent pas pouvoir. Attends, ouais, non, mais attends, tu dois lui monter dessus, hein, minimum. Il monte pas dessus. Le deuxième but, Lovren, encore une fois, que j'aime bien, hein, mais faut pas se mentir, faut arrêter de se raconter la messe. Hein. Il est pas en marquage. Bah, c'est le bon marquage, Brian, je crois. Et O'Brien, il y a eu plein de fois où O'Brien, il a eu la même action. Hein. La balle n'est jamais passée. Donc, il est pas au marquage. Deux erreurs. Et le troisième, c'est Baldé. En fait, on prend trois buts sur trois erreurs quand même.
Le seul but qu'ils auraient dû marquer, c'est l'arrêt de Lopez, le double arrêt de Lopez. Celui-là, ils auraient dû le mettre. C'est un vrai but dans le jeu. Mais le reste, on fait trois erreurs, on prend trois buts. Ouais. Non, mais sérieux, quoi. On n'est pas béni parce qu'en fait, on prend deux pétards et en réalité, sinon, ils ne font pas grand-chose. Il y a juste deux arrêts de Lopez, mais sinon, on prend deux pétards. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué de juger ce match parce que franchement, il y a un sentiment de dégoût profond alors qu'en réalité, bon. Et puis sur Grosso, pas savoir qui va faire ça. Pour répondre à Nassim, les changements, ça tue le match. Hein. Non, mais raison, en fait, Grosso, mais en fait, alors oui et non, en fait, si tu veux, parce que effectivement, bah, du coup, les mecs qui sont rentrés pour rien apporter, t'ont coûté le match, mais non, parce que Grosso a voulu repasser, en gros, si tu veux, stabiliser sa défense, repasser à 5 derrière ou à 3, comme tu veux, tu vois, pour. Parce qu'ils sentaient qu'on commençait quand même à prendre la foudre, tu vois, donc essayer un peu de stabiliser ce groupe, enfin l'équipe. Et à Reims, le problème, c'est. Hein? Je dis à Reims, c'est comme ça qu'on les maîtrisait plutôt bien, c'est pour ça qu'ils prennent ce système pour fermer, sauf que tu as des joueurs qui ne sont pas concernés, qui font n'importe quoi et tu prends un but à la con, quoi. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Grosso, aujourd'hui, les gars, je ne comprends pas que vous insistiez pas sur Grosso. Les changements, ils sont mauvais. On perd à cause des changements. Ok, les joueurs sont nuls. Bon, d'accord, c'est bon. Ça va, c'est bon. Les joueurs, ils sont nuls. Il y a des joueurs qui rentrent, qui ne font pas le job. Mais qui les a fait rentrer? Attends, mais qu'est-ce que c'est que ces changements? Le mec, il a laissé deux attaquants, il a mis des défenseurs. Alors, je ne suis pas souvent d'accord avec Denis, là, qui m'écrivait, vous savez, celui qui est venu l'autre fois. Mais en attendant, il n'a pas tort. Tu mets une défense à 5, comme si on jouait un ogre l'orienté. Qu'est-ce que c'est que ces changements? Qu'est-ce que c'est que ça? Et Lovren, tu vois pas qu'il est cramé? Mais mets-moi Caleta-Car. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Caleta-Car? C'était le meilleur depuis le début de saison. Moi, ce que je veux, c'est les preuves sur le terrain. C'est incroyable, ça. Qu'il n'ait pas mis Diomandé, on est tous contents, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, Lovren, il est aussi nul que Diomandé. J'adore Lovren, hein. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je l'ai dit en live mi-temps. Mais à un moment donné, qu'est-ce que c'est que ces changements? Tu me sors les deux meilleurs milieux offensifs. Deux meilleurs au milieu, les deux meilleurs offensifs. Tu sors quasiment les quatre meilleurs. Il manquait plus qu'ils sortent Brian aussi. Pour me mettre des mecs en plus qui n'arrivent pas à aligner deux passes. Mais c'est ce que je te dis. Non, Thiago, tu peux dire ce que tu veux. Oui, les employés n'ont pas fait le job, mais tu ne sors pas tes meilleurs joueurs. Je suis le premier à gueuler sur les joueurs qu'on a, mais là, force est de constater qu'il veut concerner tout le monde. Et tu es obligé de donner de la confiance. D'accord, tu sors les mauvais. Tu sors les mauvais, tu ne sors pas les bons. D'où tu as vu un entraîneur sur le terrain? Mais Cacré, il ne réussit pas une passe sur deux. Le monde, j'ai vu sur le terrain. Ben ouais, mais tu sors qui? Tu sors les deux autres, tu sors pas Cacré. Mais attends. À quel moment Cacré Lovren font 90 minutes les deux? À quel moment? Normal. À quel moment? Si ton Caleta-Car, si ça se trouve, il n'est pas bon ou au traitement, il est nul, il n'est pas concerné. Mais Mata, d'accord, Caleta-Car, il n'est pas concerné, Diomandé, il n'est pas bon. Je mets Mata au centre qui était excellent et je mets Koumbendi. Il est très bon, c'est un des meilleurs. Mais je ne sais pas, mais mettez-vous à la place d'un coach, même de bas niveau, tu sors qui? Tu ne sors pas un bon, tu sors un mauvais. Ou tu sors un mec à court physique. Un mec qui est mort physiquement, même qui a été bon, tu dis oula, avant qu'il soit mauvais, je le sors, il n'est pas bon. Mais là, il sort Diawara, Alvero, et il me laisse Cacré. Non, mais ça m'a rendu fou. Et après, il se dit, vas-y, Nouama, il était bon. Et Jeff Nio, il était bon. Il sort les deux. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, non? Pour me mettre une défense à 5 face à l'ogre l'orienté. Mais on est où, là? C'est quoi ces changements? Mais si ça plaît Laurent Blanc, mais vous l'auriez foutu au Pilal. Au pire, vous me l'auriez mis. C'est vrai ou c'est pas vrai, Thiago? Non, parce que Laurent Blanc. Tu te fous de ma gueule, Thiago. De Laurent Blanc, c'est bien moins de ça. C'est ça, tous les matchs. Grosso, ça fait trois matchs qu'il est là. C'est son premier match à domicile. Moi, je veux bien. Mais avant de taper sur Grosso. Je dis pas que Grosso, il doit partir. Je dis pas qu'on juge un match. Le match, il a raté Grosso. Oui, mais il ne faut pas oublier non plus ce qui s'est passé avant. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, Grosso, aujourd'hui, a voulu stabiliser sa défense parce que tu es malade déjà mentalement. Tu es mené 3-2. Lorient revient dès le début de la seconde mi-temps. Donc, il se dit, bon, OK, là, on commence à prendre le bouillon. Je vais passer à une défense à 5 et on verra. Et voilà. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, tu vas me dire, OK, il te sort les meilleurs machins, etc. Mais parce que, est-ce que tu avais vraiment besoin de deux ailiers dans un système à 5 défenseurs? On ne sait pas, tu vois.
Donc moi, ouais, moi alors, je pense que c'est quoi, bon paye. Non, non, il y a un truc qui paye, Thiago, c'est les résultats. Et son changement, eh ben, il joue en ma faveur. C'est de la merde. C'est de la merde en boîte. De la merde en boîte. Ouais, c'est complètement raté. Et ouais, ceux qui coûtent le match, c'est ceux qui sont rentrés. Il a voulu essayer. Il a voulu essayer. Il a essayé. Comme il a essayé de mettre Diawara aujourd'hui, bah voilà, tu vois. Donc il essaye des choses. Là, ça nous coûte encore des points et des victoires. Mais moi, je suis désolé. Là, on ne peut pas taper non plus que sur Grosso. Au bout d'un moment, il ne faut pas déconner. Sur sa deuxième période, il faut que il est fautif. Attends, Thiago, bouge pas. On va laisser parler. Moi, il est entièrement fautif. Bah oui. Entièrement, je suis pas d'accord. Il est fautif. Mais il est entièrement fautif. Et Baldé, il fait quoi, Baldé? Il est pas. Mais non, mais Baldé, il fait une erreur. Il fait une erreur. Baldé, il fait une erreur, Thiago. Il y a pas de problème. Il fait une erreur. C'est qui l'a fait rentrer? Il est même à la base, Baldé, il attaque en pointe. Donc, parce que Baldé a fait une. Non mais les gars, donc parce que Baldé s'est troué, c'est de la faute à Fabio Grosso. Si Baldé s'est pas torché le cul, c'est de la faute de Grosso. Mais qui c'est ces changements catastrophiques? Ah mais d'accord, Julien, mais donc tu fais rentrer personne. Donc devant, tu avais Baldé ou Moreira. Mais pourquoi tu vas changer tes bons joueurs? Pourquoi tu changes les meilleurs joueurs? Mais d'où Jeff Mignot, il a été bon pour aujourd'hui. Mis à part le penalty qu'il a créé. Mis à part le penalty. Tu plaisantes? Jeff Mignot a été bon. Aujourd'hui, Jeff Mignot, il a un penalty créé et une passée. Je suis désolé. C'est le meilleur. À la limite, si tu veux changer quel joueur. J'ai oublié la passée. Mais qu'est-ce que tu sors, Nouama aussi? Qu'est-ce que tu sors, Nouama? Le mec, il est en canne. Il est bien. Pourquoi tu le sors? Pourquoi? Moreira sur le banc. Moreira, il est passé où? Sincèrement, tu fais rentrer Baldé, mais Moreira est sur le banc. On est plus. Surtout que Baldé, il n'est pas mis offensif gauche, il est attaquant de pointe. Pourquoi il fait rentrer Baldé pour en plus le foutre complètement excentré à gauche, hein? Il a joué complètement à gauche. Après, moi, je ne comprends pas. Après, il y avait des. Oui, mais je vais te laisser parler, Max. Il y avait quand même Lovren qui n'était pas dedans. Et il y avait Cacré qui était, je n'ai pas les mots. Les deux, il fallait les sortir pour moi. Parce qu'il y en a un qui était à court physiquement et qui coûte cher. Et il y en a un autre, je n'ai pas les mots. Il n'arrivait pas à faire une passe. Et encore que ça a été mieux la deuxième que la première pour Cacré. Ouais. C'est quand tes joueurs ne sont pas bons, tu sors qui? Tu sors les pas bons? Non, ou tu sors les mecs à court physique? Julien, juste par rapport à Maxence Cacré, il y a un truc qui, moi, commence à me tendre, mais ce n'est pas depuis ce match-là. Les coups de pied arrêtés, mais qui peut les dire? Mais pourquoi? Mais comment c'est possible? Même les joueurs, au bout d'un moment, tu vois un mec qui ne réussit pas de coups de pied arrêtés depuis qu'il les tire, ça va faire au moins quasiment un an. Comment c'est possible que même sur le terrain, tu es pas à la casette, tu dis « Écoute Maxence, on t'aime bien, super, mais s'il te plaît, arrête. » Arrête, laisse tirer, je sais pas, Nouama ou Jeffinho, mais comment c'est possible qu'il tire les coups de pied arrêtés? C'est pas possible. Il va être à 200 coups de pied arrêtés, aucun coup de pied décisif. Et on va continuer de le faire tirer. Oui, mais après, quand je critique Cacré, on me dit ouais, mais tu critiques pas Tolisso. Bon, ça vaut mais c'est me dire d'une crotte de chien. Pourquoi tu parles pas de l'autre crotte à côté? Parce que l'autre est quand même vachement plus grosse, mais si tu veux qu'on parle de celle à côté qui est aussi qu'une crotte, on peut en parler, hein, parce que Tolisso, il fait une entrée, t'as l'impression qu'il a joué 260 minutes avant de rentrer. Bon, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Mais quand je vois l'intégralité du match de Cacré, bon, j'estime que la crotte de chien, elle est énorme, là. Elle est vachement plus grosse, quoi. On peut parler des 20 minutes ou 30 minutes de Tolisso qui sont aussi une crotte. Mais j'aime parler de la grosse qui est derrière, en fait, et qui continue pendant 90 minutes à taper les coups de pied arrêtés, à perdre un nombre de duels incalculables, à perdre un ballon sur deux. Parce que bon, on peut perdre un ballon sur deux. C'est vrai que Tolisso, qui est le mec, on a l'impression qu'il court aussi vite que mon grand-père de 75 ans, on peut en parler. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai quand même envie de parler du mec qui perd un ballon sur deux et qui perd l'intégralité des duels. Excusez-moi. Et qui joue tout le match. Hein, parce que Tolisso, il a été puni. C'est très bien. Et c'était mérité. Mais moi, j'aime la justice. Et la justice, c'est qu'il faut punir ceux qui sont mauvais. C'est-à-dire à peu près tout le monde. Mais si vous voulez penser meilleur, que ce match… Vas-y, je t'écoute. Moi, je pensais comme toi qu'il allait sortir parce qu'effectivement, j'adore ce joueur, il était vraiment éclaté. Et je pensais qu'il allait sortir. Et ironiquement, en réalité, quand il ne sort pas derrière, il est bon. Quand les autres rentrent, il a été bon après, je trouve. En tout cas, il s'est réveillé sur la fin de match. Je trouvais meilleur pour moi. Mais en fait, la lecture, surtout, elle est compliquée dans le sens où en réalité, tu as Baldé qui fait l'erreur et tu prends un pétard à 25 mètres et ça change toute la lecture du match, je trouve.
Sinon, je ne suis pas sûr qu'on s'attarde autant sur le coach. Moi, je ne tombais pas spécialement sur Blanc, même s'il y avait des choses que je reniais, je ne tomberais pas sur Grosso, encore moins après trois matchs. Et surtout parce qu'en réalité, le. Non, mais je ne te demande pas de taper dessus, mon Max. Mais par contre, on juge le match. Hein. On tape, moi, attention, Grosso, je lui fais confiance pour la suite et tout. On ne peut pas dire, tu peux pas dire qu'il n'est pas responsable. Ça, c'est certain, il est responsable. Mais je veux dire que tu ne peux pas. Tu peux pas que ton Balpé, il va faire n'importe quoi. Tu vas prendre la pétarde dans la lucarne à 25 mètres. Quoi. Je veux dire, la lecture, elle, ça, c'est trop binaire de dire, bah là, on a fait ça, donc c'est nul ce qu'il a fait. En vrai, il n'a pas mis Balde ailier gauche aussi, je le vois, mais en réalité, il faut passer à deux devant. On critique toujours les coachs, les gars, au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est ça, c'est pas non, mais Thiago, on ne juge pas. Lucas, je vais te laisser parler. Thiago, on juge un match, d'accord? Donc aujourd'hui, le coach a fait un mauvais match. Je sais que ce n'est pas entièrement le coach fautif. Mais aujourd'hui, il y a au moins 80. Pour moi, il y a au moins 80. Non, mais je précise-le. Si ceux qui ne comprennent pas, ceux qui font les sourds, comme ceux qui disent que je protège Tolisso, c'est qu'ils sont, ils ont de la merde dans les oreilles, pour parler propre. Si on ne dit pas aujourd'hui que Grosso a fait des changements cataclysmiques et que le match nul, il est quasiment que pour lui, 80% pour lui. On arrête tout. Si on ne peut pas critiquer parce que ce n'est pas que le coach le fautif, aujourd'hui, il y a 80% d'erreurs. Non. Il y a 80%. Tout allait bien. Du 60-40 d'erreurs. Non, ce n'est pas du 60-40. Quand tu fais des changements catastrophiques comme ça, ce n'est pas du 60-40. Il a fait des changements catastrophiques. Voilà. Lovren sur le deuxième, les gars, dans la merde. Oui, je comprends pas. Mais non, mais Lovren, toutes les erreurs individuelles, je les entends, Max. Je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord. Dans la merde. Avant même les changements, etc., ce but met dans la merde. Et voilà, mais qui choisit les tireurs de coups de pied arrêtés? C'est le coach aussi, non? C'est le coach, non? Moi, à un moment donné, quand tu prends des décisions. Les quatre coachs qui passent, c'est Julien, je vois des commentaires sur le 3-3, comme quoi, de Grosso. Il n'est pas fautif à 100%, bien sûr que non. Les joueurs ont joué, etc. Mais ce que je ne comprends pas, ton bloc est efficace. Ça marchait. Tu gagnais 3-1. Pourquoi? Pour faire rentrer un autre neuf, encore un neuf, alors que sur le banc, tu as des ailiers qui, pour le coup, pourraient apporter dans le même registre. Mais pourquoi certains joueurs, je ne comprends pas, c'est pourquoi ça. Non, mais c'est pas ça. Je vais te le dire. Pourquoi dans sa tête, dit, par exemple, je fais des mélanges, mais Majlan Niles, Moreira, pourquoi est-ce qu'ils ne jouent? Ils sont déjà écartés en vérité. Et pourquoi? Je ne comprends pas. Parce que Majlan Niles, il est en tribune. Tu dis que tu veux construire son groupe entier. Mais à un moment, il y a des joueurs qui n'ont pas été assez visibles, qui sont de base punis, on ne sait pas pourquoi. Pas vu. Le bloc d'équipe qu'il avait, il l'a détruit. Que tu le veuilles ou non, à la 55e, il l'a détruit. Ah oui, totalement, mon Lucas. Totalement. La team Lucas, je vous le dis, moi. Il a tout changé. Quand tu changes tout comme ça, tu déstabilises complètement tes joueurs parce que tu as tout changé. Tu as tout changé pour un schéma de jeu qu'on ne joue jamais en plus. C'est une chance. Avant, les mecs, on prend le but avant le deuxième. Oui, on prend le but avant. On est mené 3-2. Non, mais qu'est-ce que vous auriez pu reprocher au coach? Non, mais qu'est-ce que tu aurais reproché au coach s'il avait enlevé les mauvais joueurs? Qu'est-ce que tu aurais pu lui reprocher? Mais à part Kakré, parce qu'il avait enlevé les mauvais. Mais Lovren, il était mauvais. Lovren, il te coupe le deuxième, il coûte quasiment le premier. Avant 3-2, Julien. Il coûte quasiment deux buts, Lovren. Non, avant le 3-2, il n'était pas haché complet, Lovren. Non, mais il est haché après. Avant le 3-2, il n'est pas haché, Lovren. Moi, arrête tes conneries. Lovren, il est haché complet, quoi. C'est lui qui coupe le deuxième but, tu dois le sortir. Ah, les gars. Ah oui, non, mais d'accord. C'est lui qui te coûte le deuxième. Non, il fait les changements après quand t'es mené 3-2 parce que, encore une fois, il sait qu'on est malade. Il sait que Lyon est malade, que les mecs, ils vont se mettre à reculer, que les ailiers vont moins faire d'efforts. Donc, on change de schéma tactique, c'est un risque. Ok, c'est un risque. Ok, ça n'a pas marché. Donc, forcément, il y est pour quelque chose. Je suis d'accord, Julien. Mais. On ne peut pas dire, ouais, c'est entièrement de sa faute. Et là, je vois des mecs dans le chat, mais Grosso, qu'est-ce qu'il a fait? Grosso démission. Oui, les gars, arrêtez vos conneries là. Non, mais on a arrêté. Grosso démission. À part Moreira. Pas toi. Moreira, tu fais rentrer qui? À part Moreira, Déjà, il y a un truc. Tu sors les mauvais. C'est les mêmes qui seraient rentrés. Tu ne sors pas un bon joueur. Tu sors un mauvais joueur. Un joueur qui est dans une phase comme ça. Tu ne le sors pas. Ça n'est pas possible. Tu te démerdes, tu laisses les bons et tu sors ceux qui sont à court ou physiquement ou tactiquement ou dans le jeu. Ceux qui étaient mauvais aujourd'hui, il y en avait deux. C'était Lovren et c'était Kakré. Devine quoi? Les deux, ils sont restés tout le match.
Donc tu mets du Mondé. Donc tu mets du Mondé derrière. Ah bon? Parce que Caletacar, il a la chiasse. Parce que Mata, il a la chiasse. On ne sait pas ce qui se passe avec Caletacar. Mata, il a la chiasse. Je te pose une question. Mata, il a la chiasse ou ça se passe comment? Mata, il est là, non? Non, il est là, d'accord, ok. Mais bon, bah alors. Thiago, tu me dis quel joueur tu ferais rentrer? Pour moi, c'est Caletacar qui doit rentrer. Je te donne. T'as demandé qui peut rentrer? T'as Morera. T'as demandé? Attendez, les gars, on est le premier à lui pisser dessus. Non, 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 mais Thiago, tu me demandes, je te réponds. Et tu me dis oui, mais. Bah quoi, oui, mais? Je t'ai répondu, Mata ou Caletacar? Je te dis, mais Caletacar, on ne sait pas. Ça se trouve que c'est un mec. Alors, Mata, alors qu'est-ce que t'as à dire, Mata? Et bah Mata, et tu mets Koumbédi. Très bien, ok, très bien. Non, mais très voilà. Bien. Bon, bah alors déjà, ah, c'est une bien, première c'est erreur. Bien. C'est une première erreur. Ensuite, tu vas m'expliquer. C'est quoi, Koumbédi, là? Koumbédi, c'est un latéral offensif. C'est pour ça qu'il le met piston dans le schéma. Je t'ai répondu. Et maintenant, ensuite, on passe au suivant au milieu. Voilà. Cacré, tu mets qui à la place? Mais je mets ma grand-mère. Non, mais je mets ma mère. Je mets ma mère. Je mets n'importe qui. Mais Julien, je mets n'importe qui. Tu mets qui, Julien? Un mec qui va être capable. Non, mais je vais t'expliquer. Okay. Je vais mettre un mec qui va être capable de pas donner une passe sur deux. Oui, qui? Je vais être capable de mettre un mec qui met pas une passe sur deux à l'adversaire. Dis-moi qui. Parce que c'est les stats. On les a vus. On l'a vu qu'il a été à chier. Et oui, les il stats, a pas été bon. Monsieur Cacré, c'est une passe sur deux à l'adversaire. Il a pas été bon, c'est 80% de duels perdus. Mais bon, si tu penses qu'on peut mettre un mec encore plus mauvais, c'est que Diawara et Alperon. Sa rentrée est pas bonne. Tolisso, elle n'est pas bonne. Tu mets qui? Akoku, ouais. On ne sait même pas ce qu'il a, le mec. À mon avis, il est blessé, mais bon, ça, a priori, c'est. Je t'explique, Thiago, il n'y a aucun souci. Bon. Je pense qu'en étant honnête, Akoku, Le Pennant, alors tu vois, les deux qui sont rentrés, c'est pas Pennant, Tolisso. Non, non, mais attends, Le Pennant, Tolisso, qui font une entrée de merde, une moins mauvaise entrée que le match de Cacré. Voilà. Donc, c'est pour te dire à quel niveau mets le match de Cacré quand tu perds. Quand tu perds 50% de tes ballons, non mais Thiago, c'est des faits. Je l'ai vu le match. Et vous l'avez vu. Ouais. Ensuite, ceux qui disent oh, t'es injuste, eh ben, allez regarder les stats, puisque je suis injuste. Il perd quasiment 50% de ses ballons pour un milieu de terrain. 60-40, Julien, comme je t'ai dit. Ouais, 60-40, c'est ce que j'ai dit. Ça s'est rétabli sur les 10 dernières minutes. Parce que sinon, il était à 50% de ballons perdus pour un milieu. Je parle de et il perd 80% des duels. Mais bon, tu penses qu'on peut trouver plus nul? Julien, non, je suis juste. Je peux juste intervenir là-dessus. En réalité, pourquoi je ne reproche pas ça? C'est parce qu'en réalité, quand il sort les deux autres, Cacré est bien meilleur. En réalité, tu ne peux pas lui imputer ce truc, ce choix, sachant que derrière, en fait, ce n'est pas Cacré qui te coûte le match. C'est les entrants. Peu importe qui tu changes, tu vas faire entrer les mêmes. Oui, mais c'est peu importe si tu changes. Non. Je ne suis pas sûr que ça cause le match nul, en fait, à ce niveau-là. Après, encore une fois, pour moi, le scénario est très difficile à lire et on est dur, mais c'est normal aussi. Mais le mec qui fait une erreur, on prend une patate à 25 mètres, encore une fois, donc c'est dur de dire là-dessus. Moi, en tout cas, je suis d'accord sur Lovren. Après, est-ce que tu peux le sortir? Ce que moi, je ne partage pas avec vous, c'est qu'en fait, il veut repasser à 5 derrière. C'est pour ça qu'il met Koumbédi, il sort un ailier, etc. Et je suis d'accord, Jeffinho et Nouama, pour moi, étaient les meilleurs du match. Il les sort là-dessus, je suis pas d'accord. Bah après, sur Cacré, après derrière, je sors pas les meilleurs du match, je sors les plus faibles, on est d'accord. Et après, je laisse parler sur Aurel. sur les deux ailiers. N'importe quel coach, Max. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord dans le chat. Normalement, quand tu es coach, tu sors tes moins bons joueurs du terrain et ceux qui sont à court physique. Ah, j'ai jamais vu un coach. Non, mais arrête, Thiago. Mais à quel moment tu sors ton meilleur joueur? À quel moment? Mais dis-moi, quel coach fait ça? Non, mais Julien, bon, non, mais d'accord, mais pas forcément. Demain, Haaland peut sortir, des mecs Mbappé, bon, il sortira pas, mais quand tu dis que t'es le meilleur joueur, j'entends, mais au bout d'un moment, à Lyon, t'as pas de meilleur joueur. On a des joueurs bons. Non, on parle du match. Julien, Nouama commençait un peu à tirer la langue, tu voyais, c'était pas non plus au début là, de deuxième mi-temps et après son but, c'était pas non plus Ronaldinho, mec, d'accord. Il était correct, mais c'était pas non plus, voilà. Jeffinho, hormis le pénalty, la passe dé que j'avais complètement zappé, c'était pas non plus un crack non plus. Ah, donc au bout d'un moment, il peut se permettre de les faire. Non mais Julien, il peut se permettre de les faire. Moi, je te dis pas que c'est que Grosso a eu raison ou qu'il a eu tort. Il a pris ce risque-là. Ça a pas été bon. Le mec, ça fait 3 matchs qu'il est là. Doucement, il a déjà fait des choix dans sa compo. Personne n'en a parlé, alors que les choix ont été plutôt bons pour moi. Non mais ça, c'est bien.
Voilà, enlever Cherki, enlever qui a demandé. Voilà, tu vois, il y a eu des choix à risque, certes, mais ils ont été bons dès le début du match. Oui. Non, mais après, sur les choix de la première mi-temps, ils sont bons. Les choix de la première mi-temps, ils sont bons. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit ça, d'avoir enlevé Tolisso, Cherki et tout. Ça me plaît. D'ailleurs, il y avait à la mi-temps, on gagnait. Donc, j'étais plutôt content. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait en deuxième alors, bouge pas, parce que je vais monter un commentaire. Ce commentaire, justement, Nouama et Jeffinho étaient cramés. Très bien, très bien. Alors maintenant, tu vas m'expliquer pourquoi il a sorti Alvero et Diawara. Parce que je veux bien, tu sors les deux. Je veux bien. Mais à quel moment tu laisses Kakré sur ce match? À quel moment? À quel moment tu laisses ton plus faible milieu sur le terrain? Et, alors, si vous voulez, il s'était cramé, très bien. Et à quel moment tu laisses Lovren? Non, mais Kakré, il faut. Et à quel moment tu laisses Lovren aussi? Et à quel moment? Pour être honnête, c'est vrai qu'il a une espèce d'immunité quand même sur les 90 minutes d'un match. C'est vrai que Kakré, j'ai l'impression qu'ils en font un peu leur porte-drapeau au milieu de terrain. Alors qu'il est effectivement pas très régulier sur un match. Il est souvent pas régulier sur un match. Les gars, dans le chat, vous avez le droit de pas être d'accord avec nous. Hein. Vous avez le droit de pas être d'accord avec nous. Je respecte vos avis. Hein. D'ailleurs, j'en montrerai. J'ai une question qui est très importante quand même. C'est pourquoi il ne le retirerait pas si vraiment il était si nul, s'il fait des choix forts. Pourquoi il ne retirerait pas Kakré si c'était vraiment un choix qui s'imposait, un choix si fort? Je pense tout simplement parce que même s'il n'est pas bon, il fait ce que Grosso cherche dans le milieu, c'est-à-dire, certes, il perd des ballons, mais il cavale partout, il va devant, il va derrière. Mais c'est un rôle que personne d'autre qui peut faire dans l'équipe. Qui fait ça dans l'équipe? Qui fait ça? Oui, mais personne. Mais est-ce que ça marche? Il est nul, il n'y a que lui. Et Max, bien sûr. Tu parles de qui? Tu parles de Kakré? Mais le Penant, il a le même profil. C'est le même. Non, Le Penant, il nous coupe le dernier match aussi. Tu me demandes qui fait ça, je te réponds le Penant. C'est le même profil, il fait pareil, c'est la même chose. J'ai pas dit que c'était bon, mais je vous dis ça, je vous dis rien. Le Penant, il a touché, il a fait 25 passes, il en a réussi 25. Voilà. Je dis pas qu'il a été bon. Attention, je ne dis pas qu'il a été bon. Je ne dis pas qu'il a été bon. Mais voilà, je ne dis pas qu'il a été bon. Je vous donne des stats. Moi, j'ai pas vu de perte de balle de Le Penant comme tu as voulu le faire. Si, moi, j'en ai vu. Ouais, bah écoute, moi je triche pas, hein. Il y a des stats qui parlent, j'en ai vu aucune. Quand tu as dit ça, j'ai été choqué et j'ai été regardé. Il a 100% de passes réussies. Moi, je veux bien que tu dises de ce que tu as envie, mais tu peux le dire qu'il a perdu des ballons. Je l'entends et je respecte. En revanche, quand je vais regarder, je l'ai pas vu de mes yeux qu'il en avait perdu. Donc je fais quoi? Je vais, je regarde et puis je dis non, en fait, il a pas perdu de balle. Et c'est la vérité, il n'en a pas perdu. Voilà. Par contre, là, je me dis, Kakré, il perd tous ses ballons. C'est ce que je me dis pendant le match. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans les stats et je dis, ah ouais, en fait, il perd tous ses ballons. Mais les stats, Julien, tu fais 30 passes au gardien de but. Il a réussi 30 passes. Super. Oui, alors, mais tu pourras pas dire, ouais, mais tu pourras pas mentir en disant, il a perdu des ballons. Tu diras, il a fait des ballons derrière. Il a perdu des ballons. C'est faux. Voilà. Je t'enverrai ces ballons perdus. Oui, tu peux me les envoyer. Moi, je te dis ce qui a marqué. Je ne pas perte de balles. Par contre, je peux te dire que j'ai vu énormément de balles de perte de Kakré. Donc après, je peux me tromper. Et c'est pour ça que moi, je regarde un match, je peux me tromper. Je dis, ah bon, bah, peut-être je me suis trompé. Je regarde les stats. Par contre, pas eu la raison dans son avis. Hein. Max, me parlez pas de jeu dans le chat parce qu'il a aucun volume de jeu. C'est vraiment son gros défaut. Donc, il est catastrophique là-dedans. De quel volume? Il a zéro volume de jeu. Il a ni de volume physique, ni de volume de jeu, ni de volume de frappe, ni de volume de centre, il n'a aucun volume. Il se trompe dans le haut, ce n'est pas le volume de jeu, mais c'est ce qu'il donne physiquement, on va dire, de courir partout, mais ce n'est pas du volume de jeu, effectivement. Mais encore une fois, juste pour clôturer, après je laisse la parole, mais il a fait ça parce qu'en fait, il voulait passer à 5 de toute façon, et c'est pour ça qu'il sort les ailiers, c'est pour ça qu'il... Ça arrive. Bon, en fait, le choix, certes, a pas été payant, mais à cause d'une vieille erreur de Baldé, au final, il frappe en pleine lucarne. Je le répète. Alors, bien sûr, les stats n'ont jamais rien les stats ne reflètent pas tout, c'est vrai, il faut aussi regarder le terrain. Il a raison, Thiago, quand il dit si tu fais 20 passes derrière, tu réussis 20 passes, c'est 20 passes. Par contre, j'entends pas qu'on dise tu as perdu des ballons quand tu as réussi 20 passes, parce qu'elles sont pas belles, elles sont derrière, mais tu as perdu 0 ballon. Voilà. Oui, mais si tu as fait plaisir, Thiago, mais tu dis pas qu'il a perdu des ballons, tu dis qu'il a fait aucune belle passe. Voilà. Bon, d'accord. Si tu veux. Aucune belle passe. Non, Thiago, tu peux dire, il a fait aucune belle passe, il a joué tout vers l'arrière. Ça, je l'entends. Il n'y a pas de problème. Tu as sûrement raison. Il a fait aucune passe dangereuse. Tu as sûrement raison. Par contre, dis pas qu'il a perdu des ballons. Il n'en a pas perdu. Par contre,
Moi, je te dis, il a été mauvais Kakré dans ses passes. Je le vois. Après, peut-être je me trompe. Donc, je regarde les stats. Et effectivement, le mec, il a perdu 25 ballons. Il en a touché une soixantaine. Bon, je veux bien. C'est des faits. Je me rends compte sur le terrain qu'il les a perdus. Les stats, ça ne veut rien dire. Moi, O'Brien, il a des très mauvaises stats aujourd'hui. D'accord ? Il est nul dans les stats, mais je l'ai trouvé très bon. Il sera dans mes tops. Voilà. Et pourtant, les stats ne vont pas contre avec lui. Donc, les stats, elles veulent tout et rien dire. Mais faut pas se mentir quand même. Hein. De temps en temps, elles peuvent aider. Elles peuvent aider. Morel. Ça dépend des stats, exactement. Elles servent à conforter, on va dire, une idée sur le match qu'on regarde. Oui. J'ai envie de dire une chose. Kakré est aussi bien coiffé après le match que pendant ou avant. Puisque en parlant du loup, il a parlé en conférence de presse. Je vais d'abord donner une stat. Sachez que l'OL n'a jamais gagné plus de duels que l'adversaire cette saison. Depuis le début de saison. Voilà. Et Aurel, excuse-moi de te couper Aurel, mais je ne sais pas si tu l'as cette stat, c'est le pire début de saison de l'Olympique Lyonnais depuis la saison 92-93. Moi, je dis ça. Oui, voilà. Il me semble qu'on l'avait déjà dit lors du dernier bilan, il me semble. Alors, c'était pire encore. C'est pire, d'accord. Bah ouais, je vais essayer de retrouver des stats là-dessus. En tout cas, j'ai la déclaration de Kakré, j'ai aussi celle de Grosso qui vient de tomber, mais après, je vous laisserai peut-être aborder le sujet avant de dire ce qu'il a dit, à moins que vous voulez que j'enchaîne. On va parler de Kakré déjà sur ce qu'il a dit. On sait qu'on est dans le rouge. Bon, ben voilà, il constate, hein, on sait qu'on est dans le rouge. Il a dit aussi, aujourd'hui, il y avait de la solidarité, des joueurs qui avaient envie de se révolter. Il ne faut pas douter, c'est en doutant qu'on va galérer. Le bilan fait peur. Ce ne sont pas des résultats qui correspondent à cette grande institution, nous dit-il. Il rajoute aussi, on est dans une période très compliquée, on doit faire plus, toujours plus. Être à 100%, ça ne suffit pas, bon, s'il l'était. Il faut être à 200%, nous dit-il. Il rajoute aussi, c'est un peu un cauchemar, c'est frustrant de finir à 3-3, car on prend des buts assez bêtes. Le point intéressant, c'est la solidarité dont on fait preuve. Il y a une chose à savoir aussi, c'est que le match a été interrompu entre Montpellier et Clermont, puisqu'on joue le maintien. Il y aurait un pétard qui serait apparu sur le gardien clermontois, donc peut-être qu'il gagnerait le match sur tapis vert, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, ça pourrait regarder les concurrents, il faut regarder Le Havre, il faut regarder Metz, il faut regarder Le Havre, Metz, il faut regarder ces clubs-là pour voir ce qu'ils font. Exactement. Pour être sûr du pet, quoi. Je donnerai le classement après de toute façon, à moins que je peux le donner. Là, des stats après, des stats, mon ami, sur des joueurs, sur... Des stats spéciales, non, hormis le fait dont je vous l'ai dit, voilà, Kakré a perdu plus de ballons que tout le monde aujourd'hui, 24 ballons perdus. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Quelle surprise. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire, je sais pas si tu as le placement sous les yeux, est-ce que si Lens bat Lille, ils nous mettent, je crois que le 15e nous met déjà quasiment en Ligue 2, quoi. Enfin, pas en Ligue 2, alors, mais Lens-Lille, évidemment, le match a démarré depuis 33 minutes 0-0. Actuellement, on est à 3 points, on est passé devant Clermont quand même. On est donc à 4 points de Lorient, donc on vient de faire match nul, et puis on est à 5 points de la sortie de la zone de relégation. 6 points pour passer devant. Donc en cas de victoire de Lens, on serait toujours, puisqu'il y a Metz à 8 points, on est à 3 points, on serait toujours à 5 points de Metz. Mais ça devient très très compliqué, puisqu'il faudrait gagner deux fois de suite pour sortir de cette zone. Hein. Ah ben là, tu ne vas pas Clermont, parce que je pense que contre Marseille, même si Marseille n'est pas bon, je pense que tu peux au minimum choper un match nul. Mais si tu ne vas pas Clermont, là déjà on avait dit si on battait pas Lorient c'était chaud, là si tu bats pas Clermont pour moi c'est que là le rideau il est quasiment tiré au bout là il est quasiment bon, aujourd'hui tiré au bout. Pour ma part il est quasiment tiré aussi hein, quand on je regarde vois le pas, match là, je vois pas, là. On aurait même pu perdre hein, aussi à la fin ouais. Ah, on aurait pu aussi gagner tranquillement si tu prends pas le deuxième. Je reviens vers vous, j'ai aussi ce qui se passe par rapport à Grosso puisqu'il a parlé, il a bien parlé d'ailleurs. Est-ce que vous abordez le sujet et je reviens après ou est-ce que je balance tout de suite ce qu'il a dit? Ben si tu l'as, dis-le, sinon on passera à un autre sujet. J'ai envie de parler alors, aussi. Pendant la trêve, on va travailler pas sur le plus mauvais, ça c'est pour t'es bon. Ouais, vas-y. Ouais. Il parle de la trêve, donc qui arrive. Pendant la trêve, on va travailler sur tout. Le mental, ouais. Le physique, la technique, etc. Bon, sur ses choix, peut-être. Voilà. Je ne regrette pas mon choix de la défense à 5 pour finir. Le match est fini. Il faut regarder de l'avant. Voilà. Il ne regrette pas son choix, donc d'être passé à 5. Pour le moment, on est là et on joue le maintien. Il l'a dit. Il a dit ce mot. Je veux remercier les supporters qui ont mis une ambiance extraordinaire. Pour l'instant, on est là. On mettra du temps à sortir. Il faut faire des points. Les petits détails font la différence. Maintenant, je ne crois pas beaucoup en la chance. On doit la chercher. On a fait de très bonnes choses. Une volonté commune de faire un résultat. Et après, on a un peu lâché. On peut repartir avec plus, mais je veux garder le positif. Voilà. Bon. Apparemment, il a l'air plus si inquiet que ça sur ce match nul. Julien, j'ai un compte. Julien, si je peux poser une question dans le chat, c'est bon, ouais.
C'est good. Je reviens tout à l'heure s'il y a des choses. Merci. Vas-y. Vas-y, mon Lucas. Dans le chat, je ne sais pas si vous avez la même lecture que moi sur Grosso et ses changements. J'ai l'impression qu'il a voulu imposer une composition. Il s'est dit, je veux mes joueurs propres idées. Poser ses couilles, entre guillemets. Et au fil du match, il s'est dit, 35e, 60e, il a commencé à faire caca-culotte un petit peu, à avoir peur. Et il a commencé à jouer mauvais, sortir les bons. Et dans ce cas-là, il a paniqué, en fait. Et ça se voit sur le terrain, ça se voit sur ce qu'il a fait. Il fait rentrer que les très mauvais depuis déjà quelques matchs. Et ça te moyen de lecture pour moi, clairement. Ouais, après, moi, je trouve qu'il a raté. Moi, je pense que le match, il est pour Grosso, mais enfin bon. On va en parler des deux autres fautifs que j'ai trouvé. Mon Cacré, je trouve qu'il a été nul, mais bon, ça, c'est comme ça, mais j'ai l'habitude. Par contre, j'aimerais parler d'un joueur que j'aime beaucoup. Hein. On juge le match, hein, donc il faut accepter, les gars, les critiques, on juge un match. On te voit un peu dans le brouillard, mon Lucas. Essaye de te mettre en 4G, s'il te plaît. De te mettre en 4G. J'aimerais parler aussi de Lovren. Aujourd'hui, Lovren, c'est 6 duels, 2 remportés seulement. C'est un petit peu problématique pour un défenseur de gagner que 2 duels. C'est quand même 2 duels aériens, 0 gagné. On a connu Lovren sur d'autres musiques. Aujourd'hui, Lovren, c'est 88% de ballons réussis. C'est pas non plus la folie pour un défenseur. Aujourd'hui, moi, je trouve que Lovren, il est passé à côté de son match. Il fait partie des gens qui te coûtent le match. Aujourd'hui, pour moi, il y en a 2 qui sont pour lui. Et encore, Jack O'Brien a sauvé un nombre incalculable de ballons dans la profondeur et de ballons pour couper des lignes. Vraiment, j'aime beaucoup Lovren, j'attendais son retour et tout. Mais pourquoi on ne l'a pas sorti avant? Les gars, moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas sorti Lovren avant. Pourquoi il n'a pas réagi. Lovren, aujourd'hui, il est cataclysmique. Moi, il y a une main dans la surface, il se brouille avec le coach. Il y a la main dans la surface. Le coach, il donne des consignes, apparemment, il baisse la tête, il gueule, il lui dit de le laisser un peu tranquille. C'est une prestation étonnante de Lovren, en réalité. A priori, juste pour donner de l'eau à votre moulin, par rapport à Lovren, c'est Grosso qui l'a dit sur Wellplay. A priori, c'est Lovren qui aurait demandé à jouer. Alors ça, c'est toujours pareil, moi, ça me fait un peu rire, parce que les joueurs qui demandent à jouer, alors que peut-être qu'eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas en forme, c'est un peu chiant aussi pour nous, quoi, parce que derrière, ces mecs-là. Mais c'est bien, attends, Thiago, c'est bien qu'un joueur il demande à jouer, ça veut dire qu'il a envie. Par contre, c'est à toi de réagir si tu vois qu'il n'a pas le niveau. Ouais, c'est quand même à toi aussi de dire. Ben voilà, ouais. Non, mais c'est à toi de dire, bon, t'es fatigué, mon coco, je te sors. Ça, d'ailleurs, il s'est pris une soufflante, hein, il s'est embrouillé, hein, tu le sais. Mais je pense surtout que tu vois, il a dû se dire, Grosso, j'ai besoin quand même d'un mec comme ça. Aujourd'hui, on doit avoir les 3 points impérativement. Je prends encore une fois le risque, encore une fois, c'est un risque. Mieux vaut qu'ils les prennent aujourd'hui que plus tard. C'est un risque. Écoute, Lovren, qu'on le veuille, voilà, je te dis pas que c'est. Attends, c'est très bien qu'il l'ait pris le risque, Thiago. Par contre, à un moment donné, c'est bien de prendre des risques, mais il faut réagir aussi quand ça ne va pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il aurait dû dire bon, c'est bon, j'ai pris mon risque, là, ça ne va pas, il faut que je change. Et il ne l'a pas fait. Bah, donc, c'est pas bon. Toi, mais il a raison de le faire jouer. Mais dis-moi, Max. Je dis, il est passé à 3, c'est ça sa réaction. Mais bon, il n'a pas changé Lovren. Les gars, a priori, il y aurait Lovren qui aurait fait le show près du COP. Il y a un mec qui est sorti du COP apparemment pour en venir un peu aux mains. Puis après, apparemment, il y a eu quelques petits trucs. Je ne sais pas s'il peut. Mais juste, ouais, pour moi, il a réagi. Il est passé à 3, mais bon, voilà, ça n'a pas payé. Il a fait des choix. Le choix tactique, allez, on ne va pas se prendre pour d'autres. Il y en a un ou qu'un là qui est entraîneur à haut niveau. Hein, on n'a pas nos diplômes. Très bien, il prend cette décision. Il n'y a pas de problème. En revanche, moi, je n'accepte pas qu'on change des bons pour mettre des mauvais. Je n'accepte pas qu'on laisse les mauvais sur le terrain. Tu fais ce que tu veux, mais tu enlèves les mauvais. C'est tout. Ouais. Moi, je ne lui reproche rien. Après, il ne corrige pas ses erreurs, après, en plus. C'est qu'encore, te tromper. Tu corriges. Oui, bien sûr. On n'a pas dit que Grosso, c'était à cause de lui si on avait pris des buts. Là, on a pris des buts. C'est des phases de jeu où on a pris un but. En revanche, il n'a pas fait les bons changements. C'est tout. Il a tenté une tactique, elle n'a pas payé, ça arrive, mais il n'a pas fait les bons changements. Je suis désolé, tu ne dois pas laisser Lovren, tu ne dois pas laisser Cacré. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'était les deux plus mauvais. Il y a un commentaire qui est intéressant, Julien, je rebondis sur un commentaire rapidement. Il y a quelqu'un qui met, il a amené l'expérience sur le terrain. Et c'est vrai, quand tu réfléchis aussi, tu prends 3-2, il faut garder le score pour ne pas prendre 3-3. Il sort les plus jeunes et il met des mecs un peu plus capés.
La seule explication qu'on peut voir aussi, c'est peut-être celle-là. Il sort les Diawara, le Verrou, qui sont jeunes. C'est possible. À moi, on ne parle pas d'âge. C'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant comme commentaire. S'il y en a un, il a dit à moi, on ne parle pas d'âge. Oui, bah. C'est pas parce que t'es vieux que tu dois jouer. Si ouais, t'es vieux et que t'es cramé, il faut pas jouer. Ouais. Enfin, celui qui a dit ça, on parle pas d'âge, c'est quand même une exception dans le football de joueurs d'aujourd'hui. Hein. Je te l'ai dit dans l'autre sens. Je t'ai pas dit pour faire jouer les jeunes. Je t'ai dit en revanche, le fait d'avoir de l'expérience et d'être vieux ne fait pas de toi un titulaire et on doit laisser tout passer. Ce qui est un peu en train de se passer avec Cacré et Lovren. Aujourd'hui, Cacré et Lovren, il fallait les sortir. Tolisso, il rentre, il est cramé. Bon, ça, on va en parler aussi des entrants. Tiens, j'ai envie de parler des entrants. Est-ce que vous pensez que Tolisso il a un défibrillateur ou pas? Non, parce que Tolisso il est rentré. J'avais l'impression que le mec il avait 90 minutes dans les jambes alors qu'il venait de mettre un pied sur le terrain. Les courses à haute intensité, c'est flippant. Et Tolisso là, je sais pas ce qu'il a, mais les courses à haute intensité qu'il a fait dans le match, enfin les très peu qu'il non, a mais... fait, franchement, c'est... Heureusement, dans les duels, il les gagne. Il est très fort physiquement, il gagne les duels aériens, il gagne les duels au sol. C'est la vérité. Si tu veux, moi, je veux bien continuer. Après, je veux voir la stade. Oui. 4 duels, 3 gagnés et 2 duels aériens, 1 gagné. C'est ce que je dis quand même. Je ne suis pas un fou. Hein. Mais par contre, le mec, j'ai l'impression de me voir courir sur un terrain. Quoi. Un gros porc. Le mec, il avançait pas. Quoi. On aurait dit Boateng. Quoi. Le mec, il venait de rentrer, j'avais l'impression qu'il était mort. Quoi. Il se faisait même bouger dans l'intensité. Quoi. Heureusement, quand c'était de l'épaule, ça allait dans l'intensité. Tu vois, ce qui est grave, c'est ça, c'est que tu ne peux pas faire confiance aux remplaçants. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire confiance aux remplaçants. Et le problème, il est là. C'est que tu vois l'entrée de Tolisso et de Le Penant, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment tu... Mais il n'a pas été bon. Mais t'as voilà, oui, mais attends. Il y a une différence entre pas bon et nul. Une entrée mauvaise. Je suis désolé. Il était mauvais. Moi, je trouve qu'il a été neutre. Inutile, quoi. Il est là, mais inutile, voilà. Ouais, mais alors, voilà, ouais. Mais entre inutile et mauvais, c'est quand tu vas, tu rates tout, quoi. Tu vois, là, c'est mauvais. Ouais, inutile, c'est le mec, il fait une passe et il la donne derrière, quoi. Voilà, il donne sur le côté, il avance pas, il prend le ballon, contrôle, passe. Mais... Voilà. Inutile. Ça, c'est inutile. Tu vois, c'est Thiago Mendes. Il n'y a pas de prise de risque dans son jeu, il n'y a rien. Voilà, oui. Eh ben, c'est ce que je te dis. Une entrée inutile. Pour moi, il y a une différence entre être inutile et être nul. Nul, c'est un mec qui va prendre le ballon vers la balle. Voilà, il n'a pas été nul, j'ai trouvé inutile. Quoi. En fait, il est là, il n'est pas là, ça ne change rien, tu vois. Moi, un mec nul, c'est un mec qui perd ses duels aériens, qui perd ses passes, qui perd ses duels physiques, qui ne frappe pas quand il faut frapper, qui manque de jus et qui du coup rate ses courses et perd le ballon derrière. Et là, je t'entends sur Tolisso, là oui, il ne sert à rien, aucune prise de risque. Le penant est mauvais, il ne sert à rien. Non, le venant, il ne sert à rien, il n'est pas mauvais. C'est comme Thiago Mendes, il n'est jamais mauvais, il se cache. Bon, bah, le penant, pour moi, il n'est pas mauvais, il est juste inutile. En fait, il ne sert à rien, quoi. Quand sur le banc, Julien, tu fais rentrer du coup Le Penant qui sert à rien et Tolisso qui sert à rien. Voilà. Tu fais rentrer dans la merde. Rien. Et attends, limite Tolisso, c'est pire que Le Penant pour moi. Tolisso aujourd'hui, en termes de course et d'intensité, j'avais l'impression de voir un mec, tu sais, un joueur de gala, tu sais, les matchs de gala, tu sais, les matchs caritatifs là. J'avais l'impression de voir un match caritatif, Tolisso. Il avance pas. Un PNJ dans un jeu vidéo, on dirait un mec, il est attentif, il bouge pas, il regarde comme il est très gênant. Il est ultra gênant. Tu regardes, on se demande ce qu'il fait. En fait, il est perdu complètement. Il a deux ou trois passes clés à faire et il les fait pas, quoi. Et c'est cool. Au moment où il peut les faire. Il m'énerve. C'est le manque de jeu sans ballon. T'as l'impression qu'il est trop gros pour qu'il est trop gros pour s'avancer et demander le ballon vers l'avant. C'est encore autre chose pour moi que Cacré. Cacré, moi, je ne reposerai jamais son intensité. Il donne toujours. Mais alors, qu'est-ce qu'il est nul? Cacré, il donne et il est très, très nul. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Cacré… et pas que le physique. Techniquement, Tolisso, c'est compliqué. Julien, là, il faut être honnête. Techniquement, Tolisso, encore une fois aujourd'hui, c'est quoi le technique? Pour moi, c'est les passes, c'est la facilité à se retourner. Mais tu vois, Thiago, moi j'ai pas vu, j'ai vu une ou deux passes. Moi, je vois des mauvaises passes. Moi, je vois surtout le niveau physique de Tolisso, c'est ça qui m'alarme. Hein. Oui, aussi. Pour moi, Tolisso, si tu. C'est... Ouais.
Il ralentit le jeu. Voilà. Moi, c'est plus ça qui m'inquiète. Voilà, c'est le gars, je l'aime beaucoup. Hein. Franchement, le niveau physique. Et il y a ça aussi. Catastrophe. Ça me fait penser un peu à partir vers l'avant. Ça me fait penser un peu à tous ces mecs après la Coupe du Monde 2018. Je pense aux mecs comme Thauvin, Fekir, Lemar, Tolisso. Des mecs qui derrière ont complètement été cuits physiquement. Des blessures à répétition, etc. Qu'on a totalement perdu de vue. Et bien là, tu te rends compte que voilà, c'est... Au-delà de ça, regarde, ce qui fait mal, c'est que tu sors Diawara, du coup, qui est un joueur qui progresse beaucoup avec la balle, qui est très bon balle au pied, qui va percuter beaucoup devant, rentrer un Tolisso qui est totalement à l'opposé et qui est à l'opposé de ce profil. Ça, c'est une catastrophe. Mais c'est un désastre. Et Lucas, tiens, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Je trouve une. Ouais. Non, mais vous critiquez des gens, je trouve, sur des trucs où, là aussi, je suis d'accord. Vous critiquez des gens sur des trucs où il n'y a pas lieu d'être, tu vois. Les duels physiques, Tolisso, il les gagne tous. Les passes en profondeur, il les gagne tous. Mais Thiago, c'est la vérité. Passes en profondeur, Julien. C'est la vérité. Arrête tes conneries. Ça, il a raison. Tolisso, il est cramé. Tolisso, il ralentit le jeu. Voilà, là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Voilà, là, ok. Là, je suis d'accord. Il est cramé physiquement. Et venir me dire non, c'est pas vrai. Bah, si, Thiago, il réussit ses passes en profondeur, il réussit ses duels aériens, il réussit ses duels physiques. Mais c'est tout, hein, parce que le reste, il est cramé. Il est cramé physiquement. Depuis qu'il a pris le numéro 8 d'Oussem Aouar, je pense que ça passe pas trop. Vas-y, Max. C'est insupportable de voir des mecs rentrer comme ça. À chaque fois qu'il touche le ballon, il fait la mauvaise passe. Tout à l'heure, il a que dans la tête, il n'y est pas non plus, je sais pas. Je sais pas s'il y est, mais qu'il n'y arrive pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le punch physique de Tolisso. Il a un problème dans le tu sais, on dirait qu'il est mou, on dirait qu'il vient de bouffer, on dirait qu'il sort d'un repas, quoi. Et il vient de rentrer, hein. Les mecs sont cramés en face, hein. Là, ça m'inquiète, quoi, tu vois. Manque de vitesse d'exécution. Ce qui est fou aujourd'hui, c'est que quand tu vois que des mecs comme Alvero et Diawara, qui n'ont quasiment jamais joué depuis le début de saison, jouent, et tu vois des mecs courir, des déplacements, des faux appels, des appels, des trucs qu'on ne voyait pas, en fait, avec Tolisso, avec Cacres, comme tu dis, c'est encore un autre délire. Lui, il court, mais sans vraiment courir. Enfin, il court sans vraiment chercher à faire quelque chose. Mais Tolisso, depuis qu'il est revenu à Lyon, courir, se dépenser, se démener, on l'a très peu vu. Et quand tu vois un mec comme Diawara qui n'a aucun match pro, qui débute et qui fait, tu as l'impression que moi, je me suis quand même dit, mais ce mec-là, mais d'où il sort, ce mec? D'où il sort? Techniquement, contrôle passe, une débauche assez intéressante. Et quand tu compares au bon mec comme Tolisso, ouais, c'est compliqué. Le problème, c'est qu'au milieu, je trouve que Tolisso et Cacré sont les deux opposés. C'est-à-dire que Cacré, il donne beaucoup. Il n'est pas à court physique. C'est un mec qui court énormément, pas court physiquement. Je remercie Aurel pour son. Pour moi, hein. Cacré, il donne, il court, il a aussi de la percussion en termes de. Tu sais, il réagit vite et tout. Et c'est tout l'opposé de ce qu'est Tolisso. Et Cacré, il n'est pas capable de réussir une passe, c'est la vérité, les stats le prouvent. Pas capable de jouer vers l'avant, pas capable de jouer long, pas capable de faire un centre, pas de frappe, pas bon dans les duels physiques, pas bon dans les duels aériens. Tout l'opposé de Tolisso. En fait, c'est deux opposés. Les défauts de Cacré sont les qualités de Tolisso et les qualités de Tolisso sont les défauts de Cacré. Honnêtement, est-ce que ça ne serait pas deux joueurs qui n'ont tout simplement pas le niveau? C'est possible aussi. Pour moi, c'est catastrophique. Et l'un et l'autre. Après, venir me... Moi, je trouve que Cacré a beaucoup plus de défauts. Je le trouve inutile au possible. Je trouve que c'est le plus mauvais milieu de l'Olympique Lyonnais, mais il court beaucoup, ça tu pourras pas lui enlever, mais je le trouve d'une faiblesse, j'ai rarement vu ça. Il n'a pas le niveau technique, il n'a pas le niveau physique, il n'a rien à part le fait de beaucoup se donner. Donc ça fait de la peine, parce que quelqu'un qui se donne beaucoup, c'est toujours plus dur de le critiquer. Mais moi, je suis désolé, un joueur qui perd quasiment la moitié de ses ballons en termes de passes, mais c'est pas possible, on peut pas jouer à ce niveau là et perdre la moitié de tes ballons avec les passes, surtout qu'il n'y a pas une passe vers l'avant, hein. C'est que des passes de merde, hein. Il n'y a pas un jeu long. Hein. C'est-à-dire qu'il a fait un ballon long aujourd'hui. C'est tout ce qu'il a fait. Je ne vous parlerai pas de ses centres. Il a 8 centres aujourd'hui. Cacré, il a 8 centres aujourd'hui. Combien vous croyez qu'il en a réussi? Allez, cadeau. Bah, zéro. Mais on l'a dit. Parce que ses corners ont tous été ratés. Ses coups de pied arrêtés ont été ratés. Donc voilà, zéro. Voilà. Non, mais, c'est un problème du staff. Ça, c'est un problème du staff et même des joueurs. Au bout d'un moment, comme j'ai dit tout à l'heure, t'es la casette. T'es un problème de talent.
Voilà, bah tu lui dis, arrête de, ah, putain, mais arrête de tirer les coups de pied, arrêtez, putain, laisse tirer Noama ou petit Jeff là. Ça, je suis d'accord. Voilà. Ça, je suis d'accord. Mais oui. D'un moment, faut arrêter, quoi. Faut arrêter les conneries. Merci. Alors, les gars, la stat en rouge, c'est le classement de l'OL cette saison. Et là, vous avez les autres saisons. Voilà, toutes les autres saisons depuis 2015. Tout va bien, vous inquiétez pas, on va pas descendre, on est malade selon certains, ça va, c'est bon, on va s'en sortir, vous inquiétez non, pas. Mais il y en a encore qui pensent, non mais il y en a encore qui pensent, et bien à eux, hein, je vais pas dire voilà, mais ils pensent que Lyon va encore se sauver, que Lyon finira dans les 5 premiers. Non mais attends, alors là Thiago, je te rejoins pas, Lyon va pas encore se sauver, oui on peut encore dire que Lyon va se sauver, pour arrêter on est à la 8ème journée. Non, oui, non, je parlais de, je parlais de, tu sais, de remonter au classement, dans le top 5, etc. T'as encore des gens qui... Oui, moi c'est surtout la raison. Thiago a raison, ce que je comprends pas, c'est certaines personnes qui pensent que d'un seul coup ça va changer comme ça, et que les choix, et qui valident tous les choix, en fait. Bah, si tu gagnes si tu gagnais ton match, ça pouvait quand même te changer un truc assez capital, je pense. Ça pouvait t'imprimer quelque chose de très important. Hein. Mais non, mais bah, je veux dire que tout se résoudra pas comme ça, mais là, tu pouvais prendre un tournant. Et d'ailleurs, je sais pas si on en reparlera, mais en réalité, sur la première mi-temps, tu as trouvé quand même ton système pour gagner un peu les matchs avec tes ailiers et tout ça. Ça jouait quand même, enfin, c'était pas dégueulasse, quoi. C'était mieux que ce qu'on a vu depuis le début de saison. On en a pas beaucoup parlé. C'était mieux, jusqu'à qu'il passe en 3-4-3, là, absolument dégueulasse. Abdel, bien entendu, je vais brûler tous les maillots. Alors, ça va faire un sacré feu parce que j'en ai beaucoup. Et puis, bien entendu, que je coupe évidemment la chaîne dès qu'on ira en Ligue 2. Bah, bien sûr, vu que je suis un supporter en carton, tu m'as pris pour qui, Abdel, vite fait comme ça. Tu crois que je me casse le cul à faire 5 vidéos semaine par là? Pourquoi? Parce que j'aime Lyon. Bien sûr, je serai là encore si on va en Ligue 2. Et je te rassure, je serai là même si on va en National. Tu vois, comme ça, au moins, t'es tranquille. Même en Ligue 2, je serai là. Le contenu sera peut-être différent, mais tu verras que je serai encore là l'année prochaine. La chaîne sera là, peu importe ce qu'il arrive. Hein. Le lundi soir, sur l'équipe, des bons petits Lyon-Quevilly, crois-moi qu'on les fera, les débriefs. Hein. Mais bien sûr qu'on fera des débriefs. Lyon-Châteauroux, on sera encore là. Lyon-Quevilly, on sera encore là. Ne t'inquiète pas, il y aura la chaîne Lyon-Quevilly l'année prochaine. Le derby, voilà, Lyon-Bordeaux, il y aura encore la chaîne. Hein. Messieurs, on passe au top et au flop. Avance à quoi? Avant ça, il y aura sûrement le barrage Saint-Etienne-Lyon pour la montée en Ligue 1 et la descente en Ligue 2. J'y pense de plus en plus. Je te promets que j'y pense de plus en plus et je me dis… Non, mais avant ça, j'y crois pas. Et en aller-retour. Ouais. C'est parti. Ouais. Les gars, dans le chat, mettez-moi les pouces et abonnez-vous, c'est important pour la chaîne, ça coûte rien, en route vers les 10 000, j'espère y arriver le plus vite possible. Voilà, ça nous soutient dans ces moments très très difficiles pour nous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, les tops et les flops. Et je commence dans mes tops, Alexandre Lacazette qui met 2 buts aujourd'hui. On Ernest Mama. Ouais, très bien, oui, il y a quand même, bien sûr, Lacazette. Non mais alors, oui, c'est vrai qu'on a fait que le négatif, tiens. Bah, attends, là, c'est pour ça que j'ai mis une petite touche avant, parce que la première mi-temps, en réalité, on a vu des choses. La première mi-temps était intéressante. Quand on était en 4-3-3, c'était intéressant. Hein, je ne sais pas pourquoi il a voulu changer. Mata, j'ai adoré. O'Brien, taille patron, vraiment. Hein, Lopez aussi, qui a fait ce qu'il a pu. Vraiment, il y a quand même des choses positives, les gars. Il faut pas de positives. Il faut pas tout jeter à la poubelle. Nouama, très bon aujourd'hui. Il a été intéressant à tous les niveaux. Il leur a fait mal. Donc, incompréhensible de l'avoir changé aussi. Non, mais je vous le dis, hein, il y a tout qui va contre Grosso aujourd'hui, en moment. Vous pouvez regarder comme vous voulez. Hein. Tout ce que je dis, en fait, il y a tout qui est allé à l'envers après. Et Jeffinho et même les deux petits milieux qu'il a sortis qui étaient intéressants. On les avait jamais vus titulaires. Et là, aujourd'hui, ils ont été intéressants. Donc, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes si vous regardez. D'ailleurs, dans les tops, on va un peu se chercher parce qu'il y a du monde aujourd'hui dans les tops. Il y a du monde. Et oui, il y a du monde. Vous allez voir, quand vous avez beaucoup de tops à choisir, c'est très compliqué. Ça veut dire que le match n'est pas si mauvais. Donc, le problème, c'est quand vous n'avez aucun mal à trouver vos flops. Voilà. Donc, je repasse au top et au flop. Vous voulez rajouter quelque chose à ce que j'ai dit là, Max ? Non, je suis d'accord. Non, pas spécialement. Non. Bon, bah, on passe au top et au flop. Alors, j'ai aimé Lacazette, j'ai aimé Jeffinho, j'ai aimé Nuama, j'ai aimé les deux petits nouveaux, Mata, O'Brien et Lopez. Donc, ça fait du monde, vous voyez. Mais je dois faire un choix. O'Brien, qui vraiment irréprochable, nous a sauvé. Ouais, impressionnant.
Régulier. Un mec avec une paire de baloches. Ouais, une paire de baloches comme d'un autre monde. Hein, c'est tout. Lui, il est venu, il les a posées et fini, quoi. La casette qui retrouve le chemin défilé. Donc, j'ai envie de le mettre parce que c'est vrai qu'il a été. Ouais, il a été beaucoup de fois dans les flops depuis le début de saison. J'ai envie de le mettre. Ouais. Et après, j'ai aimé Muama et Jeffinho. C'est vrai aussi, les deux. Mais Mata. Mata, il fait un gros match aussi. Mata, j'ai envie de mettre Mata. Parce que Mata, il fait un gros match. Je l'ai trouvé très intéressant. C'est mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, les gars. Moi, je mets Mata, O'Brien et Lacazette. Mention spéciale à Nuama et Jeffinho. Ouais. Mais pour moi, indispensable, c'est O'Brien. Et en flop, Lovren, cataclysmique. La deuxième mi-temps, complètement cramé. Il te coûte deux buts. Surtout la deuxième mi-temps. Ouais. Oui, 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 non, mais surtout la deuxième. Mais il te coûte deux buts. Il est complètement cramé. Il peut te coûter un péno. Il est fatigué. Ouais, en plus, apparemment, il n'écoute pas le coach. C'est voilà. Voilà. Maxence Cacré qui a été lamentable. Lamentable. Surtout en première. La deuxième, il s'est un peu rattrapé sur la fin. Il faut quand même le dire. Et après, Grosso. Grosso, tout part de lui. Hein, pour moi, c'est carrément le plus gros fautif de l'histoire. Parce qu'à la limite, que Cacré et Lovren ne soient pas dedans. Ça peut arriver, tout le monde rate des choses. Ça peut arriver même à nous de rater une émission, de rater quelque chose, hein, bien sûr. Par contre, c'est au coach de sortir les deux plus mauvais du match. Lui, il les a laissés tout le match. Et il me sort les bons. Pas Cacré. Il sort à la 88e minute. 87e. Attends. Bon, vous m'avez compris. Hein. Catastrophique dans les choix, aussi bien tactique que humain. Et je parle seulement de ses choix pendant le match, parce que j'aimais beaucoup sa prise d'initiative sur les matchs, sur le début. Et après, il fait le choix de faire rentrer Baldé parce qu'il a fait ce choix-là tactique qui te coûte le but. Donc, c'est encore une erreur. Moi, j'aurais mis Moreira et j'aurais pas changé de schéma tactique. J'aurais sorti Lovren et j'aurais mis Mata ou j'aurais mis Caleta-Car. Enfin, il a fait, pour moi, c'est une hérésie ce qu'il a fait en termes de choix. Pour moi, il veut juste pas faire jouer Moreira. Je suis d'accord. Ah, mais là-bas, c'est con. Très con. Ouais, oui. Il a fait beaucoup d'erreurs aujourd'hui, Grosso. Pour moi, c'est le plus gros fautif aujourd'hui, c'est Grosso. Après, c'est Lovren et c'est Cacré, quoi. C'est les trois qui ont vraiment été. C'est catastrophique. Et il te coûte les matchs. Hein. Lovren, il te coûte deux buts. Cacré, je dirais qu'il te coûte parce qu'il n'est pas bon. Et Grosso, il te coûte le match. C'est trois-là pour moi. J'en veux même pas à Baldé parce que Baldé, il rentre. Il a un poste qui n'est pas le sien et il fait une mauvaise passe, ce qui peut arriver sur une erreur. Ça arrive à tout le monde. En revanche, le reste, j'ai vu de l'intensité chez lui. Ça arrive, il s'est raté. Voilà. Voilà. Pareil, faire rentrer Cherki à 5 minutes de la fin, genre, il va t'emmener quelque chose. C'est un peu humiliant pour Cherki. Je ne vois pas pourquoi. Enfin bon, il n'y a rien qui va dans ces changements. Il n'y a rien. Pour moi, il a tout raté aujourd'hui, le père Grosso, sur le match. Mon Lucas, on t'écoute. Moi, sur mes tops, j'ai beaucoup de joueurs, donc je vais faire un choix encore une fois. Ce sera globalement les mêmes que Julien. O'Brien, pourquoi je le mets? Parce que pour moi, c'est imposé comme un patron de match. Il est arrivé. Vitesse, il apporte quelque chose, un gros plus. Sur chaque duel, top, régulier sur deux matchs. Pour plus, c'est un très bon O'Brien encore. Aucune faute, hein, d'ailleurs. Pratiquement aucune faute ou une faute d'intention. Nouam, parce que son but, il est important. Il te permet de revenir vite dans le match, très vite. T'égalises et après, t'emballes le match. Magnifique but. Et Lacazette, pareil, c'est parce que ces dernières semaines, j'ai souvent été à son encontre. J'ai dit qu'il n'était pas bon. T'as pas dit que ça. Pour moi, Ah, mais ce qui est vrai, il n'était pas bon. On juge des matchs. Oui. Par contre, t'as une connexion digne des changements de Grosso, hein, voire des passes de Cacré. Hein. La connexion. Lucas, t'es dans le brouillard complet. Hein. Je suis dans le brouillard. Écoutez, je vois même pas en plus parce que du coup, moi, je vois la caméra et j'ai pas le. Je m'excuse. Bon, pour mes flops, en tout cas, numéro 1, Grosso, j'englobe dans ça Baldé, Tolisso. J'aimerais dire que je triche un peu, mais je les mets. Je vais mettre Lovren sur l'entièreté du match et surtout la seconde période. Et je vais mettre l'entrée, je vais mettre la non-entrée sur l'aile qui aurait un petit peu de
Donc ton système, tu aurais conservé cette structure globale. Pourquoi il ne fait pas rentrer, je ne sais pas. Pour faire rentrer Cherki en plus, qui n'est pas ailier sur l'aile. Bon, je ne sais pas vraiment où il le fait rentrer, une sorte d'aile axiale. Et sa prise de balle à la fin de Cherki, elle est détestable. Il prend la balle tout seul, il fait aucune. C'est détestable. Ah oui, oui, totalement. Ouais. Totalement. Totalement. Attends, je te sors parce que là, on te voit dans un brouillard. Excusez-nous, Lucas, je ne sais pas ce qui se passe. Tu as une connexion, mon pauvre HS. Et là, comme par hasard, je te sors, ça va mieux. Thiago, on t'écoute. Ouais, ben en top, Lacazette. Content qu'il a trouvé le chemin des filets. Pour moi, cette saison-là, elle se tiendra que si Lacazette est bon. S'il n'est pas bon, on va encore plus sombrer. Donc voilà, content que Lacazette ait repris de la confiance. Deuxième top, O'Brien. Cet Irlandais, moi, il m'impressionne. Sa combativité, son engagement, même balle au pied dans la course. Assez impressionnant. J'espère qu'il va continuer comme ça. Troisième top. J'aurais pu mettre Lopez, surtout sur l'arrêt qu'il a fait. Je vais mettre le petit Diawara pour l'encourager. Personne ne l'a mis. Moi, je vais le mettre pour l'encourager. J'ai beaucoup aimé son apport. Au début, les 15 premières minutes, j'ai eu un peu peur. Je dis, oulala, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Il ne faut pas trop le ballon. Et après, taille patron, limite, le mec. Franchement, bravo à lui. Encouragement pour le petit Diawara. Et en flop, je vais mettre Tolisso. Moi, Tolisso, j'en peux plus, je ne veux plus le voir. Pendant un bon moment, c'est plus possible. Il faut qu'il aille sur le banc comme il a été, mais sauf qu'il ne rentre pas pendant 2-3 matchs, voire plus. Tu t'as mis qui là? T'as mis qui à... Redis-moi qui t'as mis là. Parce que alors là, je viens de commencer, j'ai mis Tolisso là. Tolisso, voilà. Donc en flop, numéro 1. En deuxième flop, Cacré. Cacré, pareil, hein, volume de course toujours assez intéressant et important, mais techniquement, c'est trop faible, trop fébrile. De moins en moins de prise de risque, et sur les coups de pied arrêtés, c'est pareil, c'est insupportable. Toujours les mêmes choses, les ballons au premier poteau, il n'arrive pas à lever un ballon, alors qu'en équipe de France Espoir, il te met des buts, le mec, t'as l'impression que c'est Zizou. Donc voilà, au bout d'un moment, ça commence un peu à saouler. Et puis, en troisième flop... Il y avait qui? Lovren. C'est vrai que Lovren, son côté charismatique, moi, il me plaît. On a besoin de lui. Quoi. C'est un mec, c'est un leader. Sauf qu'aujourd'hui, il n'a pas été. Et pareil, techniquement et dans les courses, trop souvent absent. Donc, Lovren, voilà. Et puis juste, pour terminer, Lens est mené par Lille dans le derby. Pour le maintien, c'est très important. Pour nous, voilà. Je tenais à le dire. Ok, oui, c'est important de regarder le maintien. Le Havre qui ne gagne pas, Metz, voilà. Il faut regarder tous ces clubs-là. Il faut vraiment regarder les clubs qui ne gagnent pas. Et c'est important, les gars, je vous le dis. Hein. C'est très, très important. Mon Max. Ouais. Eh ben, écoute, dans les top, je vais innover. Je vais mettre Jeffinho dans un premier temps parce que… provoque le penalty, il fait une passe D, c'est lui qui fait le centre sur le premier but aussi, que Noam a récupéré derrière, il est sur les trois buts. Et puis personne ne l'a mis, donc je trouve que c'est intéressant de le mettre. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, mais à chaque fois, il a fait des bons appels, je trouve. Dans son rôle, vraiment, j'ai bien aimé. Et on sait qu'il était un peu au fond, en réalité, en début de saison, mentalement, etc. Donc je pense que ça lui fait du bien. En deuxième top, je vais mettre O'Brien aussi. Rien à dire, le mec, attitude, vraiment super comportement, il dit rien. Il fait. Bon, sur le deuxième, c'est son joueur, en réalité, c'est pas celui de Lovren. Hein. C'est O'Brien qui est en retard au marquage, mais c'est Lovren qui doit couper. Mais c'est son joueur, mais bon, je lui retiendrai par ailleurs. Franchement, il fait des bons matchs et puis il est super intéressant. Il a fait des longs ballons aussi, hein, on l'a pas dit, j'ai pas regardé les stats, mais il a envoyé quelques longs ballons super intéressants. J'adore, j'ai adoré son match. Comme j'ai adoré son match, encore un petit peu. Il a relevé un super truc, Max. Hein. Eh, les gars, j'avais même pas calculé. Pourtant, je regarde tout. C'est vrai que j'ai vu une ou deux, mais j'avais pas vu autant. Il a fait 5 longs ballons. Il en a réussi 4 sur 5. C'est très rare hein, qu'il y en ait autant pour un défenseur, pour O'Brien. Hein. Je vous le dis. Hein. Ouais. Il a perdu que 2 ballons. Je crois que c'est vrai qu'il a 2 ballons. Dans le chat. Ouais, 97% de passes réussies. Hein. Il est très, très bon. C'est pour ça. Donc, ça, c'est vraiment, en tout cas. Lovren en a perdu 10 hein, pour, à titre de comparaison. Max a crédit de Grosso, tu vois, pour le coup. O'Brien, c'est Grosso. C'est,
C'est un joueur fort qu'il a fait à Reims. Et encore une fois, si ça continue comme ça, alors à voir avec qui il le met, si le vrai va se fonder, etc. En tout cas, je le mets dans mes tops avec Jeffinho. Et le troisième, c'est vrai que je vais mettre Lacazette parce que je pense que tout passera par lui comme Thiago. Il nous avait mis dans le bon sens, donc je suis déçu qu'on perde ce match aussi parce que franchement, même pour lui, apparemment, j'ai lu dans le chat quelqu'un a dit que mardi, il a coupé tout le monde, ils ont été manger ensemble et tout. C'est son initiative. Donc fais ton rôle de capitaine, continue comme ça. Quand il marque, on sent que ça l'a soulagé incroyablement. Donc c'est cool. Et mention forcément spéciale à Nouama et Mata que j'ai pas mis, mais qui j'ai trouvé intéressant. Et Alvero d'ailleurs aussi, mais un peu en dessous, mais pas mal. Pour moi, Alvero, il s'est imposé dans le milieu, mais en tout cas voilà, on verra bien sur les prochains matchs. Et donc pour passer sur mes flops, je vais mettre Lovren. C'est indéniable, on en a parlé tout à l'heure, le comportement, le jeu, enfin, il n'y a rien qui va, je ne sais pas ce qui lui prend. On espère qu'il va se relever très vite. C'est incroyable, quoi. En deuxième, j'aurais presque mis Tagliafico, je me tâte quelques trous parce qu'on n'en a pas parlé, mais ce mec, il a été complètement invisible, je trouve. Alors après, il n'a pas été mauvais pour autant, donc c'est difficile de le mettre. Mais franchement, en tout cas, j'ai relevé ça là. C'est qu'on n'a pas parlé de ce mec et on ne l'a pas vu du match. C'est quand même censé être un taulier d'un vestiaire. C'est un champion du monde. Encore une fois, on le dit souvent, mais il est neutre depuis toute saison. J'ai du mal en tout cas avec ta vie. Ouais, franchement, je l'avais complètement oublié en tout cas pendant le match. Et en numéro 3, moi, je vais faire un choix fort aussi. Je vais mettre Baldé directement parce qu'on suranalyse un match pour moi. Si on gagne 3-2, c'est pas la même analyse. Alors, je mets Baldé parce que s'il perd pas ce ballon, s'il fait pas n'importe quoi, on gagne. Et si on gagne, je pense que c'est pas du tout la même chose sur le dispositif tactique, sur tout ça. Certes, ça a une influence sur la défaite. Mais Baldé, il perd un ballon, il a une frappe à 25 mètres pleine lucarne, je dis au moins 5 fois. Et on fait 3-3 sur cet élément-là, donc voilà. Pour moi, donc j'ai mis Baldé, Tagliafico et Lovren. Je vois dans le chat des Lopez flop, etc. Mais à quel moment Lopez il flop? Lopez il fait un double arrêt à 3-2. Lopez il est flop de fou. Après, t'as des trolls. On est beaucoup, hein. T'as des trolls. Hein. Voilà. Après, s'il fait une claquette, on est content. Il prend 3 équerres. Hein. Et voilà. Ouais, ouais. Non, sur le deuxième, il peut peut-être un peu mieux faire, hein, mais bon, il y a encore. Même pas. Même pas. C'est Lovren qui se trouve, hein, complètement. Ouais. Lovren, même le premier, il doit monter, il ne le fait pas. Par contre, tu vois, Julien, si Lovren il continue à être dans la médiocrité, entre guillemets, il continue pas, il vient de démarrer. Oui, je te dis, s'il continue justement, s'il continue à ne pas être bon et qu'on peut s'appuyer juste sur le petit O'Brien, 19 ans, voilà. Caleta Carr, elle est très bien, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Non, mais Julien, Caleta Carr, il doit se passer quelque chose, on ne sait pas. Ça se trouve que dans le vestiaire, c'est un mec peut-être dans le vestiaire qui n'est pas. Je ne sais pas, il y a peut-être un truc, on ne sait pas. Et on a peut-être eu des mots avec Grosso, on ne sait pas. Et moi, Caleta Carr, je ne te dis pas que c'est un peintre, attention, loin de là. Non. Mais moi, il ne m'a jamais… Ouais, je dis putain, Caleta Carr, magnifique. Tu vois, ce n'est pas un mec qui m'a impressionné, tu vois. À contrario d'un mec comme Lovren, par moment. O'Brien, là, qui fait deux matchs, qui est quand même très, très bon. Même Mata, qui peut alterner deux postes et qui est clairement pas mauvais du tout. Donc, tu vois… Je suis pas d'accord. Il avait fait des bons matchs. Il était blessé. Hein. Il était blessé, les amis. Oui, mais quand il jouait, Il fallait savoir que c'est une option d'achat obligatoire, il l'avait dit, et qu'elle sera levée en termes de nombre de matchs joués, je sais plus quoi. Donc, en fait, il va signer en 2027 après. Donc, c'est un mec qu'on va acheter, qu'on ne fera pas jouer. Jules, il l'a mis là, Jules. Il l'a mis, ton père, Julien. C'est ce souci d'implication, a priori. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Non, mais ça a été relevé sur Caleta Carr, qui apparemment, l'entraînement, il traîne les pieds, il n'est pas très impliqué. Ou il a mal été intégré, je ne sais pas, parce qu'apparemment, Nouama aussi a mal été intégré. Bon, écoute, on verra bien, mais en tout cas, s'il ne le fait pas jouer. Il a raison. C'est comme on verra. Il a raison. On va encore passer une sale soirée, je vous le dis. Ouais. J'en ai vraiment marre. Franchement, moi, je suis.
Je sais, fatigué, Julien, mais... de tourner avec pour une équipe de merde comme ça. C'est compliqué. En tout cas, mention spéciale aux supporters qui ont été exemplaires comme d'habitude. Voilà, exemplaires. Exemplaires, les supporters, bravo à eux. Bravo à vous, les supporters, vous avez fait le job. Je ne sais pas quoi vous dire. Respect. Des places à 10 balles en plus, hein, pour ce match. Des places, je pense qu'on a dû, revoir nos tarifs à la baisse. On a eu raison au vu du spectacle qu'on propose depuis le début de saison. Donc, de mettre des places à 10 balles, franchement, il le fallait. Il y avait beaucoup de gamins, j'ai l'impression aussi, dans le stade. Pas mal d'enfants, donc ça fait plaisir aux gamins de venir. Non, mais après, voilà, on a retrouvé de la confiance. Moi, je suis le premier pessimiste, hein, attention, et vous le savez. Mais on a retrouvé de la confiance. La Cazette a retrouvé le chemin des filets. Pour moi, c'est essentiel pour la suite. Sans lui, on est mort, je vous le dis, on est mort. Même si demain, ce mec-là ne plante plus et a encore un manque de confiance, on est cramé. Donc là, pour moi, on joue clairement le maintien. Voilà. Mais si on veut viser le top 10, enfin, le top, pardon, la 10e place, pardon, parce que je pense que là, c'est l'objectif, c'est finir entre la 10e et la 13e place, tu vois. Donc si on peut essayer de se sauver vite avec un Lacazette qui plante, eh ben, on prend. Mais il va falloir jouer que pour lui, pour moi. Il va falloir jouer que pour lui. C'est peut-être grave ce que je dis là, que pour un joueur, parce que normalement, c'est un collectif. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de collectif. Tu vas avoir peut-être des petits exploits individuels par-ci, par-là. Mais tu vois que Cherki, bah, grosso, encore une fois, il ne l'a pas fait jouer parce que ce mec-là ne tire pas dans le même sens que les autres. Donc, du coup, bah, il est sur d'ailleurs, le banc. D'ailleurs, c'est notre meilleur match. On a failli le gagner. Et voilà, il n'a pas été présent. La saison. Lucas, qui fait ses alliés percutants, il les a eus. Donc, voilà. Après, moi, il y a eu des choix forts qui ont été faits, comme le fait de ne pas mettre Tolisso titulaire, c'est un bon choix. Comme le fait de ne pas mettre Diomandé titulaire, c'est un bon choix. Comme le fait de ne pas mettre Cherki titulaire, c'est un bon choix. La preuve, on a failli gagner, on est passé à rien de gagner. On a perdu, mais au final, on a mis plus de buts que depuis toute la saison. Donc, je comprends pas pourquoi il est revenu sur ses principes en faisant rentrer Tolisso, et surtout il s'est trompé, et j'espère qu'il se rendra vite compte. Mais bon, je comprends pas, je vois même pas comment il fait pour pas se rendre compte que Kakré est peut-être le milieu le plus faible de tous, c'est-à-dire tout compris, tous les milieux, même Diawara, pour moi c'est le plus faible. J'espère que quand il comprendra, ça ira, et que ce mec-là peut venir en fin de match faire le box-to-box parce qu'il a un gros volume de jeu pour le pressing. J'espère qu'il l'aura compris, parce que bon, quand il joue titulaire, il est nul à chier. Voilà, moi je pense que moi j'aurais mis Alvero, Milan-Nice, qui vous voulez, au Kouakou, qui vous voulez, mais je n'aurais jamais mis. Non, mais regarde, là tu vois aussi, tu veux mettre Milan-Nice qui était en tribune. Voilà. En tribune, et à Kouakou, il est blessé. Ça, ouais, à Kouakou qui est blessé, moi. Mais la rouge, il ne prend pas, c'est qu'il y a une raison. Il y a peut-être une raison, mais moi, la raison, c'est que je vois Kakré qui est nul. Et la rouge, j'ai vu les jeunes, il a été bon. Donc à un moment donné, t'as qu'à prendre la rouge. Mais... Oui, mais je sais, je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas un pro-jeune, moi, j'aime pas ça. C'est au mérite. Mais quand je vois. Ouais, c'est au mérite, ouais. Bah, Kakré, il ne mérite même pas de jouer sur le jeu. Il ne mérite peut-être pas, mais donc, je préfère mettre à la rouge. Kakré, effectivement, il n'est pas bon, je te rejoins à 100%. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever à Kakré. Et comme l'a dit Max tout à l'heure, c'est qu'il y a un volume de course. Et c'est pour ça que ce mec-là. Le fait il n'y a pas les JO là bientôt là. Non, mais il n'y a pas les JO bientôt, comme ça il va pouvoir s'inscrire aux 4000 mètres, on va pouvoir courir, il va pouvoir super bien courir. Mais non, mais ça, à un moment donné, c'est du football, hein. Donc là ça va bien deux minutes, les passes c'est mieux, les frappes c'est mieux, le jeu aérien c'est mieux. À un moment donné, si on s'inscrit au biathlon là, il nous fait pas chier. Mais tu m'as compris, Julien, il masque ses lacunes par ça, en fait, par sa prise de risque sans ballon. Mais effectivement, il n'est pas bon. Donc, grosso, bah, il le met parce que c'est le seul joueur, comme disait Max, il a raison pour moi, le seul joueur qui peut un peu désorienter le porteur du ballon. Mais sinon, derrière, c'est pas. Le mec, il est footballeur, pas marathonien. Oui, bon, d'accord. Eh ouais. C'est pas un marathon, mais c'est football. Mais tu es qui derrière, à quoi dans le vide. Pas crédible. En plus, il gagne pas les duels dès qu'il en a un. T'as personne à mettre. Ce qui est très dommage, c'est de ne pas prendre les 3 points. Pas prendre les 3 points alors que c'est la trêve qui arrive, donc on va devoir attendre. Et le match de Clermont va être décisif. Et sur un match comme ça, où pour toi, tu joues très bien. Tu joues très bien, par contre. Malheureusement,
ça me, dans le mental, ça fait mal malgré tout. De te faire ouais, revenir. Mais t'as marqué des buts. T'as marqué des buts, tu vas avoir deux semaines de trêve et attention. Lucas, là, par contre. Ouais, vas-y. Non, je dis attention sur les buts, c'est Lorient, c'est la pire défense de Ligue 1 et c'est vraiment pas fou. Il faut quand même faire attention. Oui, non, mais. Et c'est bien, on en avait besoin. On avait besoin, c'est ça. Mais par contre, contre Clermont, je pense, moi, en tout cas, comme a dit Lucas, là, par contre, je ne ferai pas de cadeau. Donc là, ça veut dire que si Grosso, il retente des trucs à la con contre Clermont, non, mais il retente des trucs contre, voilà, contre Clermont. Là, par contre, ça va être complètement différent. Là, tu n'as pas perdu le match. On a quand même pris un point. Alors, je ne te dis pas que c'est bien. Pour moi, il fallait gagner ce match, certes, mais tu as pris un point. Là, contre Clermont, ce n'est pas un point qu'il faut prendre. Là, ça va être les trois impératifs. Parce qu'en plus, on va jouer dimanche. Donc, on jouera dimanche contre Clermont à 20h45. Toutes les autres équipes pourront jouer. Il y aura peut-être des clubs qui vont nous mettre peut-être 6 points, voire 9 dans la tronche. Donc là, par contre, il ne faudra pas faire les cons. Et Clermont, c'est un concurrent direct. Et ils vont peut-être gagner, comme a dit Aurel, sur tapis vert contre Montpellier. Donc, voilà, donc là, on peut vite se retrouver à 3 points, et des clubs à 6, à 9, voire à 10. Et on est la 9e journée. Donc là, par contre, ce sera ambulance. Et là, je pense que derrière, je ne te relève pas. Si on perd contre Clermont, peu importe la manière, même si on domine tout le match, etc., et que tu perds, là, je pense que c'est rideau. Là, le rideau, il sera vraiment baissé. Et il n'y a plus qu'à prier pour trouver la clé et ouvrir ce rideau. Mais bon, ça va être compliqué. Voilà, on verra bien. Mais, messieurs, on est encore 600 et quelques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui voudraient les casquettes. Vous pouvez les trouver sur le site que je vous mets dans le chat. Et vous les avez aussi en dessous de la vidéo quand elle est ceux qui regardent en replay. En tout cas, voilà, hop, là. Hop. Et en tout cas, je vous remercie à tous les gens dans le chat. Je remercie Max, je remercie mon Aurel qui fait un travail fantastique, un travail de l'ombre. Mon Aurel que j'embrasse qui est là dans la régie. Je remercie mon Lucas qui est dans un brouillard. Il n'est pas dans une régie, mais le brouillard est tel qu'on se croirait directement dans le jeu de l'Olympique Lyonnais. Et je remercie mon Thiago qui n'aura. Oui, ou en Bretagne. Je remercie mon Thiago que j'ai bien fait de venir, qui n'a toujours pas vu un match gagné de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Je n'ai pas prêt de revenir, mon Thiago. Hein. Non, mais bon, blague à part, c'est compliqué. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. Et puis, je vais à tous vous souhaiter un bon dimanche et en famille. Et en espérant. Désolé, on était en colère. Enfin, moi, j'étais en colère, j'étais déçu. Donc, forcément, le ton monte, c'est toujours comme ça. Il faut comprendre, hein, c'est pas facile, je le vis très très mal de nous voir comme ça. Il y en a peut-être qui le voient peut-être au second degré avec du recul, mais j'arrive pas parce que ben, je sais pas, ça doit être ma passion qui me fait être comme ça. C'est très compliqué pour moi de voir Lyon comme ça, je vous le dis, c'est très très dur moralement. Ça me brise le cœur aussi de nous voir dans cette situation. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, surtout n'oubliez jamais. Je sais même pas quoi dire aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais, la chaîne Julien Legaune, même en Ligue 2, elle sera présente. Ciao les Gaunes, ciao les Fenotes, allez l'OL. Salut.